zone jeux de société. Bienvenue dans ce videcast du mois d'octobre. C'est quasiment comme une conférence de presse, on dirait, la manière que je commence. ça. Alors, je vais vous présenter une sommité, mesdames et messieurs, euh, la sommité euh, des jeux de société au Québec. Euh, donc, je vous présente David Couteau, le professeur Board Game. Euh, salut euh, David, bon mois d'octobre, comment vas-tu? Salut Martin, ça va, ça va correct, je te dirais. On ne se, on se, on se cachera pas que nous autres au Québec, on est encore en semi-confinement. Euh, on était pour tout le mois d'octobre. Ça a été renouvelé pour tout le mois de novembre. Euh, C'est ça. L'histoire, ça répète un peu. Euh, ça commence à être lourd un peu sur les épaules. Mais bon, euh, qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut, puis euh, on y va une journée à la fois. C'est juste il y a des journées que le moral est peut-être moins bon que d'autres. Mais bon, au moins, on est en santé et en sécurité. Oui, c'est drôle parce que justement, je parlais avec mon père hier, euh, qui ne reste pas trop loin de chez toi d'ailleurs. Il, à... il reste à quelques minutes de chez toi. Puis, euh, tu sais, mon père, c'est un, un... un tough, là, mais il vit tout seul aussi. T'sais. Il est totalement seul à la maison. Puis, tu sais, je chantais hier, là, pour, ceux... bon, pour nos amis européens, hier, le... notre gouvernement, euh, M. Legault, a décidé de continuer, euh, le... un semi-confinement. Mais qui affecte surtout les, les restaurants, les salles de sport, les cinémas qui sont fermés. Nous autres, c'est fermé complètement. Il n'y a pas de c'est pas un couvre-feu, nous autres sont fermés complètement. Oui, et... puis les, les résidences privées ne peuvent pas recevoir quelqu'un d'une autre adresse. À moins que la personne habite seule, elle peut recevoir un visiteur justement, pour passer au travers là-dessus. Exactement. Puis nous autres, dans les écoles, dans le fond, les secondaires, 3, 4 et 5 maintenant sont en alternance à, à la maison. Donc, une journée à l'école, une journée à la maison. Tout ça pour essayer de, de limiter la propagation. Puis, euh, c'est un autre. comme un autre 28 jours que les gens savaient que ça s'en venait, mais c'est parce qu'on approche de Noël et aussi on a l'automne. Euh, puis l'automne, c'est le temps plus gris. Fait que je, je, hier, j'écoutais mon père, puis je sentais que. Mon père, il prend ça. Il est très serein dans toutes ces décisions-là. Mais hier, tu, tu sentais qu'il commence à commence à trouver le ah, temps. Oui. Là. C'est de l'usure aussi, là. Ben, c'est ça, puis c'est parce que c'est mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle. Mais, David, nous, par exemple, on a une chose d'incroyable, c'est qu'on a un passe-temps qui nous permet parfois de justement passer le temps. Euh, et euh, moi, j'ai comme un combat ces temps-ci, le mois d'octobre, c'est toujours le combat entre jeux de société, jeux vidéo. Euh, puis là, ben, c'est les nouvelles consoles de jeux vidéo qui sortent. Dans deux semaines, au moment où on enregistre ceci, c'est la PS5 et la série X qui vont sortir. Et je sais que toi aussi, tu es un amateur de jeux vidéo, mais peut-être pas aussi, aussi fort que moi. Moi, ça fait depuis que j'ai huit ans que je m'amuse avec ces consoles-là. Et c'est tout le temps le petit, le petit côté fébrile. J'ai une petite excitation, comme un enfant, de, de, de ces nouvelles sorties-là. En tout cas. Bon, il reste deux semaines, on verra. J'espère que ça ne va pas trop prendre de mon temps. Toi, euh, qu'est-ce que tu... j'ai commencé les jeux vidéo depuis que j'ai trois ans, Martin. Trois ans? Ouais, moi, c'est si la NES, est sortie, j'avais à peu près trois ans. J'avais peut-être trois, quatre ans quand on l'a eu. Moi ouais. aussi, je suis tombé là-dedans jeune. Aujourd'hui, je joue encore à des jeux vidéo, mais pas mal moins à cause des jeux de société qui ont pris la place. Mais je suis quand même ça. J'ai fait Marvel Avenger récemment, le, le jeu de PS4 que j'ai trouvé quand même très sympathique, puis j'ai trouvé ça divertissant, un genre de jeu un peu que tu te mets le cerveau à off, puis tu joues, puis tu tapes des robots. Euh, mais non, pour vrai, j'ai aimé ça, j'ai joué en ligne avec des amis aussi. On, tu on a passé du bon temps, puis je pense que c'était ça l'important plus que le jeu qu'on jouait rendu là. Moi, je, je, je joue à Assassin's Creed Odyssey. Là, sur mon ordinateur, c'est pour ça que tantôt, avant qu'on rentre en autre, je te montrais ça. Je me suis acheté une manette parce que je, je joue à ça. Puis j'ai vraiment beaucoup de fun et beaucoup de plaisir. Euh, parce que, comme toi, tu es, es, es seul chez toi. Moi, j'ai une famille, j'ai quatre autres personnes avec moi, mais ils ne sont, euh, sont pas toujours en mode jeu de société, je te dirais. Fait que je finis par me ramasser à, à jouer en solo souvent. Puis là, ben, à un moment donné, jouer en solo, j'apprécie ça. mais... J'ai fait le tour un petit peu. C'est pour ça que les jeux vidéo prennent la place. Euh, puis au côté ludique, euh, parce qu'aujourd'hui, en passant, mon, mon sujet, notre sujet, David et moi, c'est les. Euh, on va parler probablement de l'aspect le plus professeur board game qui existe dans nos sujets depuis qu'on a commencé le videcast. C'est le 40e épisode aujourd'hui euh, de, oh. de notre vidcast. Et puis, euh, on va traiter des livrets d'instruction. Euh, on va vous donner nos meilleurs et pires livrets d'instructions. On va vous parler un petit peu de la philosophie derrière ces différents livrets d'instructions. Puis on sait que David, de lui, sa chaîne est pas mal bâtie autour du concept de reprendre des livrets et de les comprendre et de les présenter en vidéo. Fait que je me disais que c'était un sujet parfait pour toi. mais oui, merci. J'en ai fait mon expertise. Puis c'est drôle parce que ça va faire cinq ans au mois de mars que j'ai ma chaîne. Puis j'ai... Je n'ai jamais dérogé de ma ligne directrice. Euh, depuis le début, c'est ça, c'est des vidéos de règles avec une portion critique à la fin. Et c'est encore ça aujourd'hui qui, qui est le cœur de la chaîne, qui est la majorité de nos vidéos. Puis, je trouvais ça quand même assez exceptionnel que, que ce concept-là soit encore aussi véridique aujourd'hui. Puis, es rendu, tu sais, ce, ce qui est bon aussi, c'est que toi, tu donnes des numéros hein, à tes épisodes. Puis, tu es, es rendu à ton combienième? Écoute, on a publié cette semaine, j'ai publié mon 274e vidéo de règles. Euh, fait que ça, c'est juste les, les miens. C'est à part des prototypes euh, qu'on a fait aussi, qu'on a fait une vingtaine d'épisodes. Mais tu sais, des fois, c'est moi, des fois c'est LP, Ouais, c'est ça. Euh, fait que j'ai quasiment 300 vidéos de règles à mon actif de publier sur YouTube. Donc, les livrets de règles, tu connais ça? J'en ai lu quelques-uns. Puis j'imagine qu'il y en a que tu as sûrement détesté. Oui, il y en a qui m'ont donné des mots de tête. Puis, tu sais, le livret d'instruction, ça a la niaiseux, mais tu sais, une fois que tu as acheté ton jeu, tu l'emmènes chez vous, tu l'ouvres, tu le déballes, tu es content. Tu sais, le, le feeling de dépuncher un jeu neuf, puis on est content, tout ça. Puis là, une fois que tu, tu le ranges, tout est déballé, tout ça, la, le premier vrai contact avec le jeu, c'est le livret d'instruction. Oui. Puis des fois, ce contact-là, euh, il est brusque. Euh, dépendamment de la structure du livret, dépendamment justement comment les règles sont présentées. Euh, Puis il y a aussi tout un mindset à être quand, quand on, qu on aborde un livret de règles. À un moment donné, je lisais des livrets de règles comme livre de chevet là, avant de me coucher. Puis, tu réalises que ce n'est pas tant efficace là, parce que c'est un moment de la journée où tu es comme super fatigué. Tu es comme, ouais, je vais lire un, un livre de règles avant de me coucher. Là, tu te rends compte que finalement, il n'y a rien qui reste. Puis, ce pas le moment opportun pour lire un livret de règles. Fait que, pour vrai, avant d'aborder un livret de règles, soyez reposés. Donc, tête reposée. Euh, Installez-vous un après-midi ou un dimanche matin avec votre café. T'sais, dans un moment où est on est un peu on est zen, on est avec nous autres, puis on plonge dans un livret de règles. Parce que si on plonge dans un livret de règles et que ça se passe mal, bien souvent, ça peut faire qu'on n'aimera pas le jeu euh, parce que justement, on a mal assimilé les règles ou on n'était pas prêt à à s'aventurer dans ce livret de règles-là, puis ça a mal été. La partie après ouais. va avoir mal été à cause de tout ça. Ça fait un effet boule de neige. Puis, tu sais, veux, veux pas, Martin, toi et moi, on, on en essaye des jeux, des nouveaux jeux là, par année. Euh... <laughs> puis, souvent, je fais, fais mon top 10 à la fin de l'année. Puis souvent, j'ai proche de 100 titres de la nouvelle année que j'ai joué. Ouais. Ça, c'est à part des autres, des ouais, ouais. plus vieux, des fois qu'on découvre. Donc, ça donne une idée du nombre de, de, de nouveaux jeux qu'on découvre. Puis souvent, si on a une mauvaise expérience avec notre première partie, bien, il y a bien des chances que ce jeu-là, euh, on le renvoie sa pile et qu'on ne joue plus jamais. Oui, exact. Donc, il faut s'assurer que pour me donner la meilleure chance possible d'être justement dans le bon état d'esprit pour pouvoir euh, essayer de comprendre un livret de règles. C'est mon premier conseil. Puis toi, je, 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 ça fait longtemps que je veux te pose la question parce que j'ai déjà, je pense que j'ai déjà posé la question à Martin Montreuil, mais je pense que je ne l'ai jamais posé à toi. Quand tu joues à un jeu de société là, avec tes amis, puis que tu t'installes, puis qu'à un moment donné, tu arrives dans une... Tu pas sûr d'une règle. Est-ce que tu mets le jeu sur pause pour aller voir la règle? Euh, puis il faut vraiment que tu trouves la règle avant de continuer de jouer ou tu es du style plutôt à faire comme... Ah, ça doit être comme ça, Puis euh, tu continues la partie. Ça pas vraiment des situations. Tu sais, souvent, moi, tu as, as joué souvent avec moi, là. Oui. Moi, je suis un <laughs> gars qui, qui joue quand même vite ses tours de jeu. Oui. Dans la majorité des jeux. Euh, puis même des jeux complexes, euh, des jeux que tu fais comme. Voyons, tu as déjà joué ton tour de jeu. Moi, j'ai comme un esprit un peu mathématique, très analytique aussi. Là, fait ça, ça roule tout le temps. Fait que souvent c'est rare que mes tours de jeu vont prendre beaucoup de temps. Fait que souvent je vais pendant les tours de jeu des autres joueurs, c'est là que je vais vérifier dans le livre de règles ou que je vais essayer de trouver la règle. Puis là de temps, ah, ben oui c'est là, c'est vrai, ok je m'en souviens et la règle est ici tout ça. Fait que souvent j'essaie de multitasker puis de le faire pendant la partie, pendant les downtime entre, entre mes tours, c'est là que je vais chercher dans le livre de règles ou que c'est juste pour valider une information ou des fois t'as expliqué une règle, puis là, t'as un petit doute, fait que là, OK, je vais aller voir dans le livre, puis, ah oui, j'étais correct, j'avais raison, ou j'étais pas correct, je peux le dire aux autres, finalement, ça, c'est comme ça, cette règle-là, c'est différent un petit peu, euh, fait que c'est comme ça un peu que je procède la majorité du temps. Ben, moi, je te dirais que, ben, la, je pense que la meilleure anecdote qui peut vous représenter qui est David Couteau, c'est en face, c'est l'anecdote que je vais vous raconter là. Ah, je sais qu'est-ce que tu vas parler. Il y, a, il y a deux ans ou trois ans, mon premier lac à l'épaule ludique, euh, on est en train de jouer euh, toute la gang ensemble. Il y avait toi, il y avait moi, il y avait Stéphane, euh, l'ami à Martin, Martin Montreuil. On est en train de jouer à un jeu, Disco 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 Discover Lands Unknown. Euh, le jeu de FFG. Le, le jeu de FFG qui était supposé avec des boîtes différentes, qui était révolutionnaire. Les on... boîtes uniques. Uniques. Qu on... Qui sont toutes au resclat. Qui n'existe plus, que plus personne ne joue. Euh, et pendant ce temps-là, le lac à l'épaule ludique, c'est un, un endroit où souvent les gens vont à Essen et reviennent, les gens du Randolph, ils vont à Essen ils reviennent avec des, des boîtes. Puis euh, il y avait Newton. Et de, de pendant qu'on jouait à ce jeu-là, David, qui en l'espace de très rapidement, là, a pris le livret d'instruction de Newton, l'a lu, puis après ça, après avoir fini notre partie. Pendant qu'on jouait à Discovery. Ouais, on installe Newton, that's it, ça a pris. Euh, David, ça doit y avoir pris quoi, 20, 20, 30 minutes à bien lire le livret d'instruction. On a pu jouer à Newton comme si rien n'était. Ah, puis je l'ai expliqué comme. Tout de suite. Claire, claire, claire. Puis... Donc, puis... c'était peut-être un bon livret d'instruction. Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y avait une bonne, une bonne structure. J'étais aussi pas mal motivé à vouloir l'essayer. C'était oui. comme le top de ma liste. <laughs> oui, c'est vrai. Pour euh, cette édition-là. <laughs> puis tu avais gagné aussi. Fait ça. Ouais, ouais, ça a été toute une partie de Newton. <laughs> c'est tous des souvenirs qu'on a de ces. De ces... Bon, La ludique, l'année passée, on a raté parce qu'on a une panne d'électricité. Puis cette année, il y en a. Ah pas. oui, c'était autre chose. Cette c'était un, un <laughs> un autre, une autre histoire. Bon, fait on va vous parler de ça aujourd'hui. Je pense que c'est super intéressant. On va vous donner notre vision. D'ailleurs, je remercie euh, mon, notre ami José euh, qui nous a fait une belle petite, euh, un beau petit meeple pour, euh, pour l'Halloween. C'est oh. le, le, euh, le seul petit clin d'œil à l'Halloween qu'on va faire cette année. Fait que là, David, avant qu'on qu commence avec les jeux qu'on a joués dernièrement. Euh, tu sais que je suis en train de faire mon, mon euh, le meilleur jeu de la dernière décennie, euh, selon la communauté de la zone jeux de société. et C'est commence... comme les séries au hockey. C'est les séries éliminatoires. Donc, c'est définitivement les séries. Donc, on a commencé avec les huitièmes de finale. On est rendu en quart de finale. Fait que mm -hmm. là, on ne veut pas passer une heure là-dessus. Là. Mais euh, voici, la... voici notre magnifique. Euh, encore faite par José, en passant. Euh, donc, notre, notre, notre arbre des séries. Et euh, je voudrais savoir ton, ton avis très rapidement sur qui tu penses qui va passer dans ces quarts de finale-là pour se rendre en demi-finale. Fait que premier match-up, Gloomhaven Spirit Island, quel serait son ton choix? Écoute, <coughs> mon choix de, de mon cœur, j'aimerais ça que ça soit Spirit Island. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est probablement un des meilleurs jeux coop qui existe, qui est d'une belle complexité pour des joueurs justement expérimentés. Mais Gloomhaven, c'est un mastodonte dans le jeu de société. Donc, ça va être dur de déloger le champion de BGG, si on veut. Mon cœur voterait avec Spirit Island, mais la raison dit que Gloomhaven va l'emporter. Moi aussi, j'ai l'impression. Gloomhaven, c'est comme les Yankees avec un club boosté. Là. Oui. Ben, en même temps, il mérite son, son succès. Il faut le dire quand même. Là. Je pense que si c'est pas un jeu qui. Qui, qui passe à travers les maillons. Là, je pense qu'il y a quand même, ils ont, comme j'expliquais euh, dimanche avec euh, Stéphane, là, je pense que c'est un jeu qui offre quand même beaucoup dans une boîte qui n'est pas si dispendieuse que ça pour la quantité de jeux qu'il y a uh -huh. à l'intérieur. Mais c'est pas un jeu pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui tripe sur les, les Dungeon Crawlers. Fait que, euh, en passant, si vous avez jamais vu la part, une partie de Spirit Island, ben, euh, David et moi, on a fait un blitz ludique sur Spirit Island. Euh, fait que vous pourrez aller voir ça. En Terraforming Mars, puis site. Je pense que ça va être Terraforming Mars. Euh, oh Je pense que la communauté est très forte derrière ce jeu-là, même si euh, le, le club Stone euh, ne... <laughs> quand même des bons joueurs, mais on dirait que. Terraforming Mars ont l'avantage de la glace, puis ont un très bon power play. Donc. Euh, oui, ça. Avec des composantes de luxe en plus que le monde se procure, euh, ils gagne des échelons, puis euh, je pense que ses chances de l'emporter sont très grandes. peut-être que Sight aussi est en train de, 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 de s'en aller vers la tente de la renommée. C'est genre on l'oublie un petit peu. Mais il est là. Il, il a marqué son temps, mais les gens ont peut-être passé à d'autres choses. Tandis que Terraforming Mars... Il est encore en avant-plan. Tu sais. C'est encore un jeu ouais, de voir. La, la preuve, la campagne pour l'édition Deluxe, Big Box Mega Deluxe, qui est sortie cette année oui. <laughs> a fait des chiffres hallucinants sur Kickstarter. Euh, fait que ça montre à quel point il y a une communauté forte derrière ce jeu-là. Euh, encore aujourd'hui. Effectivement. Euh, Brass Birmingham contre Gaia Project. Je pense que ça va être Brass. Euh, le fait d'avoir un nouveau chandail euh, cette année, euh, dernièrement, pour Brass, je pense que ça l'a aidé à graver des échelons. Euh, parce que la refonte de leur logo et de leur visuel, euh, par des super artistes québécois d'ailleurs, ça l'a vraiment euh, rehaussé la marque de Brass. Puis lui aussi, il a gravi les échelons de, de BGG. Euh, si je ne m'abuse, il est rendu troisième. Donc, euh, pour moi ouais. aussi, je pense que c'est un meilleur jeu euh, dans mes goûts à moi, là. Brass Birmingham, je pense que c'était un peu meilleur que Projet Gaia, même si Projet Gaia reste un, un très très bon jeu euro. Là. Que nous avons joué ensemble deux fois d'ailleurs. Ouais, une fois au, au Dilal après la game de Newton. <laughs> non, ça c'était l'année d'avant, je pense. Ah, c'était l'année d'avant. C'était ah, l'année okay. d'avant, puis on n'avait pas aimé notre expérience parce qu'on avait commencé à jouer à minuit. Ouais, ça le fait expliquer à ah, C'est ça, on était fatigués un petit peu. Puis la deuxième fois, on avait joué chez moi. Et là, je pense que même toi aussi, tu avais plus apprécié ton expérience ouais, euh, de Gear Project. Puis euh, finalement, je pense que c'est le, le combat épique Seven Wonders Duel contre Twilight Imperium 4. Écoute, si on, ça, on les là, jugeait, c'est Si on les jugeait au poids de la boîte, euh, on se rendrait compte que Seven Wonders Duel, c'est le underdog dans ce tableau-là. <laughs> Écoute, c'est un gros défenseur contre un, un, un défenseur qui, a, qui, qui est très, mettons, qui, qui manque de poids un petit peu. Mais euh, au niveau du jeu, par contre, Seven Wonders Duel, je pense qu'il il va avoir la cote parce qu'il est beaucoup plus accessible que l'autre, on s'entend. J'ai jamais joué à Twilight Imperium 4, donc euh, c'est clair que mon vote, ça va derrière Seven Wonders Duel. Puis il y a aussi une nouvelle extension qui vient de sortir à SN, ou SN, SN Digital. oui. Euh, pour Seven Wonders Duel. Fait que aussi, ça, ça remet ce jeu-là sur l'actualité, puis euh, il est encore au goût de l'heure. Puis c'est un des meilleurs jeux duel. Euh, quand des, jo des joueurs découvrent le jeu de société, puis ils cherchent un jeu à deux. C'est ouais. un jeu à, de stratégie à deux. Je pense que c'est un incontournable. Donc, euh, on va router pour le underdog dans ce match-là. Fait que voilà, fait que merci beaucoup David. Donc on voit ici qu'on fait, on continue à faire notre analyse sportive de cette. On, on viendra pour les demi-finales, on verra qu -ce que, qu -ce que, quels seront tes choix. Fait que euh, on va passer à la, au, au premier, ben super, en fait c'est le deuxième segment de notre épisode aujourd'hui. On va y aller avec les jeux joués dernièrement et euh, on va commencer par qui Toi au moins? Comme tu veux. Bon, je vais commencer. Fait que. Euh, on vous revient dans deux instants. OK, fait que, David, mon premier jeu que j'aimerais te parler. J'ai pas eu. Euh, comme je te dis, j'ai pas eu un mois d'octobre très occupé au niveau de, de nouveaux jeux ludiques. Euh, j'ai pas. Euh, j'ai. Euh, on dirait que ça a été beaucoup plus tranquille pour moi. Euh, j'ai joué à Tekenu, Obelisk of the Sun, euh, que. Je sais même pas si je vous en ai parlé au dernier mois. Parce que je pense que j'avais commencé à jouer, je pense que j'en avais parlé. Je pense que en avais parlé, en tout cas, ma, me... en avais parlé oui. ma mémoire est, est escalée. Mais euh, non, le jeu que je veux vous parler aujourd'hui, c'est quand même euh, je vous dirais. Je ne vais pas me tromper, il y un peu, là, là, je suis, là. je suis tout perdu dans mes affaires. C'est celle-là ici? Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. <laughs> euh, le jeu que oh, oh. j'ai joué, c'est Marvel United, euh, donc de la compagnie Siemens, Limited et Speedmaster. Euh, J'ai eu la chance de me procurer la version Kickstarter dans un... chez un détaillant qui n'est ni t'affilié, ni à toi, ni à moi, euh, qui, euh, qui, ont, qui ont reçu des, des copies de Kickstarter. Puis c'est drôle parce que Marvel United, euh, euh, quand il est sorti sur Kickstarter, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais que le jeu avait de l'air bof. mais C'était des belles figurines Chibi de Marvel, mais je... le, le, le gameplay ne m'avait pas intéressé. Mais bon, je me suis fait embarquer. Euh, quand j'ai vu qu'il était arrivé, fait je l'ai pris, je l'ai reçu. Fait que dans Marvel United c'est un, c est, c est, moi j'appelle ça dans la gamme des petits jeux de simon. Donc c'est ouais. pas, pas un gros jeu. C'est super rapide. C'est, là j'essaie de vous trouver parce qu'il y a évidemment, regardez, c'est ça, ok, c'est ça le jeu. Ce que vous voyez là là, c'est des figurines. Plastique. Ce qui est très, le plus intéressant dans ce jeu là, ce sont les figurines. Oh. Avez... C'est drôle parce que ces figurines là j'ai trouvé. Le, le style chibi, je tripais pas tant. Puis euh, j'ai des amis qui l'ont acheté puis qui ont commencé à peinturer les figurines. Je trouve que quand ils sont peints, ils ont vraiment de la gueule que quand ils sont pas peints. Oui, ben sinon on... fait qu'ils soient bleus ou rouges aussi ben, ça ça, ça. ça les met pas en valeur. Mais ils sont, ils sont quand même d'excellente de, de, qualité puis sont sont très très bien faites. Mais j'aimerais ça vous présenter des images du jeu, <laughs> mais il n'y en a pas. C'est incroyable, j'ai jamais les vu des ça. Figurines qui sont importantes, Martin. C'est ok, on a des cartes. Au moins, je vais pouvoir présenter ça. Fait que, écoutez, dans ce jeu-là, euh, puis le, même là, c'est pas ça. Je dirais, eh, Seigneur, c'est <laughs> magnifique. J'ai jamais vu un jeu qui présente euh, des. C'est un genre de, de Reconners un peu light. Exactement. C'est des Reconners. Donc, dans le fond, vous avez des lieux. Euh, vous avez un grand total de six lieux que vous allez placer de façon aléatoire euh, au... sur une table. Puis là, bien, vous allez avoir un méchant. Dans la boîte de base, il y a les trois méchants que vous voyez là. Il y a Red Skull, il y a Ultron, puis il y a Taskmaster. Puis chacun des méchants va venir avec une habileté spéciale qui est unique, avec un Overflow. Un Overflow, ça a rapport avec justement les les cartes des lieux, on va mettre des civils, on va mettre des bandits, euh, puis quand c'est plein, ben là, on va faire l'overflow du méchant, on va, il va arriver quelque chose de spécial. Puis là nous autres, on va incarner des héros. Et dans la boîte de base, dans le fond, il y a Captain America, Hulk, Iron Man, Black Widow, il y a euh, Ant-Man, Ant puis Wasp, puis euh, moi j'ai pas Captain Marvel, Captain Marvel, euh, puis il y a The Wasp aussi. Okay. Euh, puis moi, je pense que c'était The Wasp ou Venom euh, c'est un Kickstarter, je pense. Non, je pense que c'est le contraire. Je pense que la boîte okay. retail vient avec Venom puis le Kickstarter vient avec Wasp. Parce que j'aurais bien aimé mieux avoir Venom, selon moi. Oui. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. C'est la vie. Euh, puis dans le fond, le jeu, c'est très simple. C'est euh, le méchant va avoir un deck de cartes. On va piger une carte, on va faire ce qui est écrit dessus, il va tourner, il va, il va activer des habilités. Puis nous, ben, on va jouer des cartes comme vous voyez là. Puis chacune des cartes ont des icônes dessus. Euh, puis, les icônes, c'est soit le point pour faire des dégâts. Donc, c'est un point de dégâts par icône. Euh, la flèche, c'est pour bouger. Donc, euh, on peut être bougé adjacent à droite, à gauche, peu importe. Euh, on a l'étoile pour soit sauver des civils sur notre, dans notre lieu ou accomplir une menace parce qu'il y a des cartes de menace euh, selon le méchant qu'on met sur chacun des lieux. Puis, on va, dans le fond, quand on va jouer une carte, on va prendre notre carte et on va prendre aussi les icônes du joueur précédent. Puis ça va former, dans le fond, le combo qu'on va faire. Et puis, euh, c'est ça. Donc, le but du jeu, c'est de, de faire des combos comme ça. Puis, euh, éventuellement, le plus que j'avais trouvé la belle image tantôt, mais il y a tellement de figurines. Juste... C'est ça, les ici. Donc, on va, on va faire comme... il appelle ça un storyline. C'est quand même un beau concept. Parce que les cartes, ils ne reviendront jamais dans notre main, à moins qu'il y ait une habilité spéciale. Euh, puis, euh, chacun des personnages ont leur petite spécificité. Ils ont leurs habiletés spéciales aussi qui vont... Euh, Mettre un aspect thématique. Les parties durent environ 30 minutes. Euh, moi, j'ai joué deux parties à trois joueurs, puis j'ai fait une partie en solo. Euh, puis euh, c'est bien. Je vais, je vais vous dire mon, mon, mon honnête avis, OK? C'est Marvel United. Enlève le mot Marvel, puis c'est à mort, ce jeu-là. Tout okay, de suite, je dis tout de suite, c'est un jeu très ordinaire. Il est cool, il est le fun, mais le thème, il est Inexistant sauf pour les vilains. Ça euh, veut dire que tu joues Hulk, que tu joues Captain America, oui, ils ont des petites habilités, mais probablement au niveau artistique, les cartes sont presque toutes identiques. Il y a juste des petites choses qui changent euh, au niveau des cartes. Euh, les habilités spéciales, il y a trois cartes que vous avez dans votre deck et des habilités spéciales. Fait que ça se peut que tu joues une partie que tu hommes les même pas, puis c'est très générique comme icône. Ça se veut comme étant un jeu simple, mais la boîte de base, il manque de thème. Il manque, je pense, beaucoup de rejouabilité. Je pense qu'après six parties, euh, ça, ça, ça va être plate. Les trois missions qu'on a au, au, au centre, là, ce que vous voyez juste ici, là, je ne sais pas si je peux le grosser. donc juste là. là ouais, C'est les mêmes à chaque game. C'est tout le temps les mêmes. Donc, sauver des civils, battre des bandits, accomplir des menaces sur les lieux. Ça ne change pas, mais les, les méchants, par contre, ils sont thématiques. Ça fonctionne bien. Leurs habiletés spéciales sont le fun. Euh, c'est un aspect très intéressant. j'ai trouvé ça ordinaire, David. Je, je, un peu, je te dirais que je, je suis mitigé. Je sais pas que c'est le pire jeu, sa planète, là. Au contraire, je pense que c'est un bon jeu. Sauf que moi, personnellement, au prix que je l'ai payé pour la version Kickstarter. Puis je vais avoir les stretch goals l'année prochaine. Ouais. Euh, pour te donner pas mal plus de va se avoir plein de nouveaux boss. Plein de nouveaux héros. Ben, les boss, j'ai hâte. Les héros, je suis comme t'en fous un peu. Mais c'est parce que Captain America, oui, il sauve plus de civils. Euh, mais quand tu joues, ça paraît pas que c'est Captain America. Ça paraît pas que tu joues Iron Man. Ça paraît, à, 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 à moins que tu te ramasses avec l'habilité spéciale, avec la carte habilité spéciale, ça paraît pas. Fait que je suis un, un peu déçu, mitigé de Marvel United. C'est plate parce que je... Je pas le choix d'attendre les stretch goals. Je ne peux pas rien faire d'autre. Il faut que j'attende l'année prochaine. Peut-être que ça va changer, comme tu dis, avec les stretch goals. Peut-être qu'il va vont, y vont avoir d'autres cartes pour d'autres missions à accomplir. Peut-être que ça va changer les choses. Mais pour l'instant, c'est une déception, une petite déception. J'aime ça. C'est un bon jeu, mais c'est pas le jeu. C'est un bon jeu pour sortir avec tes gars, mettons. Oui, avec euh, les, les, les parties à trois joueurs que j'ai jouées avec euh, Hélène et Nathan, euh, on a aimé ça. Tu t as, t as remarqué que tout le monde aimait ça parce que c'est simple. Mais est-ce que ça va durer dans le temps avec juste la boîte de base Je pense pas. Ouais, c'est ça, c'est je pensais moi aussi. J'ai pas joué. Je sais quel pays il a. Lucie avait un peu le même constat que toi, dans le sens que c'était un jeu super léger, qui est sympathique à sortir, mais il manque de jus dans la boîte de base de là les stretch goals qui vont être importants. Par contre, il y a des figurines. Oui, puis ceux qui aiment peindre sont quand même belles une fois peintes pour vrai. Hein. C'est. Bon, je les ai pas ceux-là, là, mais euh, c'est... <laughs> c'est une extension. <laughs> oui, fait que, il y a des belles... Fi... Les figurines sont belles. Mais bon. Oh, elles sont quand même grosses, là aussi. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est le côté Simon. Puis je pense que le reste, c'est Spin Master. Oui, Spin Master avait la... la licence Marvel, je pense. Oui. C'est euh, pour ça qu'ils sont dans le projet. Effectivement, parce que sinon, je pense que c'est Est-ce qu'il y en d'autres? C'est eux qui ont fait 5 Minutes Marvel, justement ouais. Spin Master. Ils ont fait euh, <laughs> Sinister Six. <laughs> euh, puis euh, Wakanda Forever, que je n'ai pas essayé non plus. Finalement, ils sont dans les grands succès. <laughs> ouais, ouais, Sinister Six, pas de temps. Là, mais... Mais ça, je t'ai dit. C'est 5 Minutes Marvel, c'est super bon. Mais oui. Tu sais, C'était basé sur 5 Minutes Dungeon, qui était bon à base. Fait que tu avais déjà un bon système. Ils ont juste changé un peu le skill. Là. Ouais, c'est ça. Mais parlant de 5 Minutes Marvel, euh, Martin, moi je vais vous parler de 5 Minutes Mystery. Oh! Hein, c Exclusivité! Hey, c'était même pas prévu comme engagement. on est fort là. <laughs> on est incroyable. Donc, euh, comme j'ai dit tantôt, moi je peux recevoir un visiteur euh, chez moi parce que j'habite seul. Fait que je reçois mon ami Alex à chaque jeudi. On s'est c'était une, une soirée de jeu c'est comme à peu près ma, soirée, ma seule soirée de jeu dans la semaine, c'est le jeu du soir où on joue à des jeux. Puis lui, avait supporté Five Minutes Mystery, donc il l'a apporté, on essayait ça. Puis euh, moi, je suis un grand fan de Five Minutes Dungeon. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai joué, que j'ai montré en animation des tonnes et des tonnes de fois. C'est toujours un succès. Puis j'avais trouvé qu'à la campagne de Five Minutes Mystery, je me disais, ah, j'ai pas l'impression que, que ça va être tant différent avec le feeling Five Minute Dungeon, Puis, j'ai déjà Five Minute Dungeon, j'ai-tu besoin de lui dans ma collection? Puis bon. Fait que là, j'ai eu la chance de l'essayer. Fait qu'au moins, c'est ça de gagner déjà. Puis dans le fond, c'est un, un peu le même concept, dans le sens que c'est un jeu qui va durer cinq minutes avec un timer, mais c'est pas tout, nécessairement tout le temps cinq minutes. Ça peut être oh. des fois trois, quatre minutes, ça peut être six, sept minutes. Chaque mission va avoir son paramètre de temps que l'application va te, te donner, dans le fond. Okay. Puis c'est un jeu, encore une fois, coopératif, en temps réel. Mais au lieu d'être un jeu qu'on joue des cartes et on essaie de battre euh, des vilains, là, on va jouer euh, dans un jeu de déduction coopératif ouais. en temps réel. Fait que je trouvais que c'était un peu weird comme mélange. Puis Dans le fond, c'est que tu vas choisir un scénario. En fait, tu vas. Quand tu fais une partie, tu vas choisir plusieurs scénarios euh, de plusieurs difficultés, dépendant de la difficulté de ta partie, si tu veux. Nous autres, on avait choisi, euh, je pense, une partie normale qu'on avait deux, deux missions vertes qui sont faciles, deux missions jaunes, puis une mission rouge qui est difficile. Mmh. Fait que si on réussit les cinq missions une après l'autre, ben, euh, on gagne la, la, la partie dans le fond. Chaque mission dure à peu près cinq minutes. Okay. Donc, euh, tu as des espèces de grandes cartes qui sont des lieux. Euh, <laughs> puis dans la pile de cartes lieux, tu vois les mêmes lieux qui vont revenir des fois. Puis là, vous voyez l'image de l'aquarium, par exemple. L'image d'aquarium est peut-être euh, quatre 5 cinq fois dans le paquet de cartes. Puis dans le fond, c'est à chaque grosse carte, tu vas chercher les symboles qui sont sur l'espèce de, de clé de, de décryptage. Il y a comme un, un carré bleu, il y a une étoile, il euh, y a une croix, il y a un rond, puis un triangle ouais. euh, de, de, avec différents petits euh, éléments. Et tu vas essayer de trouver ces cinq éléments-là dans ta grande image. Puis quand tu les trouves, tu vas les mettre sur le dessus de la clé d'encryptage pour avoir le code de cette carte-là. OK. Une fois que tu as trouvé les cinq, tu vas retourner la carte de l'autre côté. Et là, tu vas voir les symboles que tu étais censé avoir sur ta, ta clé d'encryptage. Puis, si tu as eu les bons symboles, tu vas gagner accès à un indice, qui sont les tuiles que vous voyez avec des points d'interrogation. Fait ouais. qu'exemple, exemple, je vais, je vais gagner un indice bleu. Les, les, les indices, c'est des objets. Ça peut être des objets, des gants, un parapluie. Ça peut être la sorte de peau de la personne, parce qu'on cherche un suspect, dans le fond. Puis souvent dans le scénario, vous voyez que la, la tuile du suspect qui est au milieu de la table. Oui. Il y a comme quatre petits codes barres de couleur autour de la tuile euh, du suspect qu'il faut essayer d'identifier. Puis quand tu gagnes une tuile d'objet, ben, tu vas aller regarder si avec la couleur de ce, cet objet-là, si ça fit avec ton, euh, ton coupable. Et là, tu vas y aller par élimination. Là, fait que tu vas, te développer, tu vas te débarrer de plus en plus d'indices. Tu vas essayer de trouver les indices qui fit mais les indices qui ne fit pas vont aussi te donner des informations. Parce que tous les joueurs vont avoir entre leurs mains, on va séparer le paquet au début de la partie, des, des cartes avec des suspects dedans. Comme la carte de l'espèce de, de, de canne que vous voyez là. Oui, Abigail. Madame. Donc, Abigail, la canne, fait que, elle a un foulard, elle a des plumes. Fait que, elle, ils ont, chaque suspect a quatre éléments, dans le fond, qu'on peut identifier sur sa carte. Elle a des lunettes, par exemple. Fait que si, dans le fond, si j'ai essayé l'item des lunettes sur mon suspect puis que ça ne fit pas avec son code-barre, mais ça veut dire que ton suspect, il n'y pas de lunettes. Et uh -huh. tu vas pouvoir éliminer tous ceux qui ont des lunettes de ta pile. Euh, okay. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de lunettes sur uh -huh. le suspect. Okay. C'est un peu comme jouer à c'est un peu cette partie-là. OK. Mais tout ça se fait en temps réel, dans le fond. Puis de la manière que ça marche, c'est que euh, le, la clé d'encryptage, elle va passer d'un joueur à l'autre. Dans le fond, il y a un joueur qui, qui part la partie avec. C'est juste lui qui peut dire, qui peut mettre les symboles qui sont sur le dessus, mais tout le monde peut l'aider à trouver les symboles sur la grande carte. Puis dès qu'il a fini, ben là il passe à l'autre joueur, puis l'autre joueur commence une nouvelle grosse carte. Puis pendant ce temps-là, il faut que tu gères tes cartes de suspects, puis essaies de faire fitter les codes. Fait que tout ça se fait en même temps. c'est vraiment un jeu qui a pas, il y a pas de downtime évidemment dans, un, dans ce jeu-là. Pas de temps ouais. Mais au début j'avais peur qu'un jeu de déduction en temps réel, ça soit trop. Trop intense de trouver des choses avec un certain nombre de temps puis de le faire rapidement. Mais là, le fait que c'est toutes les petites étapes qui sont le fun à faire, C'est de chercher les symboles dans la grosse carte, euh, d'essayer de faire fitter les objets, d'éliminer tes coupables, c'est différentes tâches qui sont importantes puis qui sont le fun. Fait que Ça fait vraiment un beau mélange pour vrai puis ça marche vraiment bien. Euh, J'ai été assez surpris de voir l'ingéniosité qu'il y a derrière ce petit jeu-là. Puis, euh, ben, Spin Master, encore une fois, qui. Euh... Qui font encore un beau succès avec celui-là. Mais est-ce que la rejouabilité à un moment donné va faire le tour Ben, il y a quand même beaucoup de missions. La seule affaire qui revient souvent, c'est que dans ta partie, probablement que tu vas faire le tour de tout le paquet des cartes de lieux. Ouais. Mais comme les mêmes lieux reviennent plusieurs fois, tu ne peux pas comme apprendre par cœur. Ah oui, il y a un symbole. Okay. À dans cette image-là, dans l'aquarium, je sais qu'il y a un symbole, ça pince du crabe. C'est dans une des cinq images de l'aquarium, dans quatre autres sont ailleurs. Tu as ce petit côté-là qui brouille les pistes et pis qui t'empêche un peu d'apprendre par cœur. Mais c'est sûr que oui, tu peux t'en rappeler quand même, si as vraiment une bonne mémoire, à peu près son où. Mais à part ce petit côté-là, je pense que le reste est quand même intéressant. Il y a des petits twists d'un scénario. J'ai expliqué un scénario classique où tu as un coupable à trouver. Euh, mais des fois, tu as des scénarios qui ont un paquet de coupables différents, puis l'objectif n'est pas nécessairement le même. et okay. ils ont fait quand même des belles twists avec ce système-là, pour vrai. OK. Intéressant. Très intéressant. 5 minutes mystery. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que j'imagine qu'il va arriver en magasin aussi, parce que toutes les autres sont sorties en magasin. Euh... Ouais, ouais, puis souvent, c'est un jeu qui n'est pas tant dispendu que ça non plus. Euh, fait que c'est un bel achat. Puis lui, tu sais, tu pas de texte aussi dans le jeu. Fait que tu, sais, tu peux jouer avec des plus jeunes, ce que ouais. tu ne pouvais peut-être pas faire avec Five Minutes Dungeon. parce que tu avais des cartes qui avaient des habiletés, puis c'était en anglais. Quoi que je pense qu'il est sorti en français, ouais, il est euh, sorti en français ouais. dernièrement. Mais tu as quand même l'aspect de lire des cartes en temps réel, tu n'as pas tant de temps que ça. Non, c'est ça. Parce que dans, de, dans lui, c'est des objets, des couleurs, des formes qu'on cherche. C'est plus instinctif, je trouve. OK. Ben, écoute, on va mettre ça sur la pile de choses la pile, la pile de choses accumulées. Donc, Five Minutes Mystery. Euh, moi, je vais, je vais aller très rapidement pour mon, mon autre, euh, autre jeu que je veux vous présenter aujourd'hui. Dans le fond, c'est qu'avec mon fils Nathan, on est tous les deux des très, très grands euh, amateurs de la série Unmatched. Euh, je te dirais que j'ai tout, tout, tout euh, de la série Unmatched. Il ne manque rien. J'ai Bruce Lee jusqu'à Jurassic Park avec les Raptors. Puis Robin euh, des Bois. Robin des Bois. Et puis là, la prochaine boîte, c'est Buff, Buffy de Vampire Slayer. Euh, Puis évidemment, euh, ayant été moi-même euh, euh, moi un grand amateur de Buffy, je te dirais que j'étais. En tout cas, bref. Penses-tu que ça te être à que Buffy, le deck building game euh... C'était-tu le deck, le deck building game Le Legendary, oh, Legendary Buffy. Ah, Legendary Buffy. C'est toi qui m'avais rapporté ça, Legendary <laughs> Buffy. Il était très bon, le, le, le Legendary Buffy, mais ils ont sorti aussi un jeu de Buffy qui était correct. Oui, C'est vrai. Quand même, que j'ai encore dans ma collection, j'ai conservé parce que j'étais un grand amateur de Buffy. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on a essayé Unmatch, Cobble and Fog. C'est tellement cool, David. C'est l'homme invisible avec euh, Jekyll and Hyde. Tu Sherlock Holmes et Dracula. Euh, Nathan a joué Dracula. Euh, on a joué trois parties. Euh, non, deux parties. Euh, on a juste pris ces quatre-là. Parce qu'en passant, c'est tous des jeux, à part Bruce Lee qui est tout seul. Les autres, vous pouvez tous acheter euh, les boîtes tout seul. Puis euh, vous pouvez jouer euh, des parties juste avec la barre, mais où vous pouvez toutes les, les, les mélanger ensemble. Ce qui est cool, c'est qu'ils réussissent, David, à faire quelque chose de thématique avec chacun de ces personnages-là, qui fonctionne tout à peu près avec le C'est toute la même façon de fonctionner. Fait que Pour ceux qui ne euh, connaissent pas très rapidement, c'est un jeu de, de combat. Attendez, je vais essayer encore une fois de trouver une belle... Un jeu d'escarmouche un peu. C'est un jeu d'escarmouche euh, dont le but et de se promener sur un plateau. Puis avec l'aide des cartes, on va euh, s'attaquer euh, ou on va faire attaquer nos minions. Euh, Dracula arrive avec trois sœurs. Euh, Sherlock Holmes arrive avec Watson, évidemment. Puis euh, chacune, chacune des cartes vont avoir des petites habiletés qui sont spéciales. Comme par exemple, mon Sherlock Holmes, son habileté spéciale, c'était que à chaque fois que des fois je jouais certaines cartes, je devais essayer de deviner ce que la carte de mon opposant, quel était le numéro que mon opposant avait joué. Parce qu'on y a des chiffres sur les cartes euh, qui, ont, qui ont rapport. Des fois, c'est des, des points d'attaque. Donc, souvent, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, Sherlock Holmes, étant donné que c'est un détective qui essaie de la déduction, fait que si je réussissais à trouver le bon chiffre, le bon nombre que mon adversaire avait joué, ben là, j'avais des habiletés spéciales, souvent j'annulais sa carte. Euh, fait qu'il y avait comme un petit aspect de déduction que tu fais regarder un petit peu les cartes qu'il avait jouées dernièrement, puis là, tu essayais de deviner un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Ça, fait. ça fait très Sherlock Holmes, puis je trouvais que ça marchait quand même très, très bien. Euh, J'ai joué avec l'homme invisible. L'homme invisible, lui, bien évidemment, il y a une carte qui lui permet de sortir du plateau, puis de revenir... Euh, le, le, le tour d'après, où il, il va mettre des, euh, des brouillards un peu partout. Puis les brouillards sont construits comme étant des lieux qui sont adjacents. Euh, puis les cartes manipulent beaucoup ces brouillards-là. Donc on peut déplacer les brouillards. Puis à chaque fois que l'homme invisible attaque sur une case dans laquelle il y a un brouillard, ça y donne, pas il attaque, quand il se défend, il va avoir un point de défense de plus. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, le on match, c'est, je pense, ma meilleure série de ce style-là avec. Euh, le, celui de Day, là, qui s'appelle Dice Throne. Euh, Dice mmh. Throne, c'est aussi, je pense, un excellent jeu. Puis regardez, on peut avoir des combats, Sherlock Holmes contre les Raptors. C'est vraiment super cool, cette série-là. Elle va sortir en français, on m'a dit, au début de 2021, je pense. Oui, euh, Yellow euh, qui a traduit. Donc, y a Yellow qui vont sortir ça. Écoutez, sortez sur l'occasion. Si vous aimez ces jeux-là, c'est très simple. C est, c est une bataille, c'est peut-être à peu près une vingtaine de minutes, 25 minutes, euh, gros maximum, après ça, on recommence D'autres, on a fait euh, deux combats, euh, Nathan et moi, puis à chaque fois, on a toujours bien du plaisir. On sort ça, les règles restent dans notre tête, on joue, puis euh, c'est très, très le fun. Fait que on match Cobble and Fog, mais toute la gang d'Unmatch, je, euh, je vous les conseille. On avait joué une partie ensemble une fois, quand tu étais venu chez nous. Oui, je l'avais porté. Dans ce temps-là, j'avais pas grand-chose. Maintenant, David, tu, tu savais. Moi, ouais, on... j'avais joué Robin des Bois, je pense, puis tu avais joué le Yeti. Le Yeti. <laughs> je... Tu fais juste te dire, il y a tellement des affaires que tu peux faire qui sont rendues. Moi, juste de savoir qu'on on va avoir Buffy contre comme Bruce Lee. Contre Bruce Lee, c'est hein? C'est incroyable comme concept. J'ai hâte qu'il fasse Optimus Prime. Oh, arrête. Arrête. <laughs> Ça devrait vrai Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment ils font pour avoir toutes ces franchises-là. Où imagine-tu Darth Vader? Star Wars. Ouais, oh. là, ça, ça, ça c'est une licence qui coûte un peu cher, je pense. Tu tu Luke Skywalker contre Jean-Luc Picard? Oh! Oh, le combat ultime! Oh! Ça y la, est! La force contre l'intelligence! Oh, oh mon dieu! Oh. Trekkies contre Star Wars fans! Ah, ça serait carré. Est-ce que tu en as un dernier à nous parler? Écoute, j'ai essayé un jeu que. Je suis comme mitigé de ma première partie. Fait que... Oh, je vais comme essayer de te donner une autre chance, mais. C'est le jeu Fort de Leather oui. Games. Ok, ok, oui. Que j'ai d'ailleurs, que je ouais. pas déballé encore. C'est un ce jeu de deck building où on va. Les cartes représentent des amis, dans le fond, mm -hmm. qu'on va jouer pour essayer de gagner des jouets ou de la pizza pour pouvoir améliorer notre fort et faire des points. Ouais. Euh, c'est comme la galerie un... du truc. Ouais, c'est vrai ouais, de ça, la thématique. Là. <laughs> Puis, euh, dans le fond. Euh... Il y a deux petits twists dans le jeu-là. La première, c'est que euh, quand tu joues une carte, les cartes ont des symboles. Euh, il y a six sortes de cartes là, les cartes avec des skates, les cartes avec des pistolets à eau. Donc, il y a six sous, si on veut. Puis, euh, dans le fond, à ton tour, tu vas jouer une carte de ta main. Puis, tu peux jouer des cartes de, 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 de cette sorte-là pour améliorer ton action. S'il y a un symbole de X dessus pour que tu fasses l'action plusieurs fois. Puis après ça, les autres joueurs peuvent aussi jouer une carte de la même sorte que toi pour faire ton action, pour te suivre, dans le fond. Ouais. C'est une espèce de mécanique de follow-up. Puis l'autre twist, c'est que dans le fond, les, les cartes d'amis que tu n'as pas jouées à la fin de ton tour, tu vas les mettre devant toi dans ta cour. Fait que c'est des amis qui ne sont pas venus jouer avec toi vu que tu ne les as pas joué. Puis, dans le fond, à la fin de ton tour, tu peux recruter une carte. Tu peux prendre une des cartes qui est dans le marché général. Ou tu peux prendre une carte qui est dans la cour d'un autre joueur. Fait que tu peux comme aller euh, piger les cartes, dans le fond, euh, des, que les joueurs n'ont pas joué. Fait que tu as ce petit côté-là qui est quand même particulier pour un deck building. Mais ce côté-là marche quand même bien parce qu'au final, euh, toutes les cartes dans ce jeu-là, ils n'ont pas de coût. Dans le fond, tout le monde, à la fin de son tour, gagne une carte. Les cartes qui n'ont pas de. Il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre nécessairement. C'est vraiment juste selon les habiletés qu'ils font, mais là, tu en as qui se combinent bien pour faire des, des points ou des, des trucs comme ça. Donc, tu vas essayer de trouver des synergies ou tu vas essayer de briser la synergie de l'autre en y volant un ami euh, parce que tu ne veux pas qu'il fasse des points ou tu ne veux pas qu'il fasse telle action. Fait que ça fonctionne quand même bien parce que vu que les cartes n'ont pas de coût, ben, quand même que j'en perde une, euh, euh, je vais en gagner une à mon tour de toute façon. fait que ça, les, les cartes vont rouler de toute façon dans ton deck. Puis... Euh, T'sais, tu fais la majorité de tes points avec ton fort que tu upgrades en dépensant des ressources et tout ça. Puis tu as aussi tes cartes qui font des points en fonction euh, si tu as des cartes dans ton sac, des ressources dans ton sac à dos, si tu as euh, des cartes dans ton lookout qui est comme la zone en dessous de ton plateau ouais. qui te donne des icônes passifs. Tu as des moyens de faire des points avec ces cartes-là. Mais j'ai trouvé qu'au final, il n'y a pas tant de combos que ça que tu peux faire dans le jeu pour faire des points puis essayer d'avancer c'est un espèce de jeu à course à points. Là. Si on arrive à 25 points, on déclenche la fin de la game, puis euh, on va regarder qui a gagné, tout ça. Fait que j'ai l'impression que, je sais pas, le... Les... Le... le jeu fonctionne bien, les petits twists originales sont, sont quand même cool, puis ils sont moins irritantes que j'aurais pensé pour le petit côté, euh... je te vole une carte ouais, <laughs> que tu n'as pas joué. Ou... Faut... Au final, ça ne me dérange pas tant, puis ça... ça fait aussi que le thème, bon, tu n'as pas joué que ton ami, ça en va jouer ailleurs, c'est correct. <laughs> Euh, fait que, je trouvais ça cute quand même, mais j'ai l'impression qu'au niveau combo, Et au niveau euh, opportunité, j'ai l'impression qu'il y a manqué de quoi. Okay. Puis... Je sais que j'ai fait ma première game avec les règles de base. Puis dans le fond, dans ce jeu-là, ton deck de départ, tu as deux cartes qui sont associées à ton personnage, qui sont tes BFF. Euh, tes BFF, ils ne peuvent pas aller dans, dans ta yard, tu ne peux pas les perdre dans la game. Ouais. Dans le fond. Mais tes huit autres cartes de ton deck de départ, tu les prends au hasard. Fait tu sais, ton deck de départ, il est assez aléatoire. Ouais. Dans la variante avancée, tu peux faire un draft un au draft. début pour drafter ces huit cartes-là. Mais tu sais, un draft à deux, ça a quand même ses limites aussi de toute façon. Fait tu sais, je pense que hein, c'est un jeu qui va prendre de l'élan à trois, à quatre ouais, joueurs. À, plus à plusieurs. le le deck de départ, le draft va être meilleur. Tu vas peut-être pouvoir te bâtir un meilleur, une meilleure stratégie en partant. Fait que tu vas avoir moins l'impression qu'au début, tu ne fais vraiment pas grand-chose. Puis le petit côté de la mécanique de follow-up, j'ai l'impression qu'à 3-4, ça va être plus intéressante. Ça va te permettre de jouer plus de cartes en dehors de ton tour. Euh, fait que tu auras moins de cartes qui vont être disponibles aux autres joueurs. J'ai l'impression que la dynamique va peut-être être mieux à 3 ou 4 joueurs. Fait que, ma première partie était à 2. Ça m'a laissé un peu amer. Pour vrai, je pense que je vais le réessayer à 3-4 avant de, de faire une vraie critique ou de me faire une idée un peu plus poussée de ce jeu-là. Ben, écoute, je te dirais que moi, moi je l'ai aussi, là, je l'ai pris, le jeu, parce qu'il bon, y a la vibe un petit peu, je pense qu'on a tous été très attirés par la compagnie qui réussit beaucoup avec ah oui, Rook. Oui. Euh, mais y a, je pense qu'il est mitigé, il y a bien des gens qui, qui pensent comme toi, là. il y a des gens qui l'aiment, puis il y a des gens qui l'aiment moins. Je pense que c'est un jeu un petit peu plus polarisant. Fait que, il va falloir éventuellement l'essayer, David, à trois, quand on va pouvoir se voir éventuellement. <laughs> Bien. Ouais, effectivement, Je vais l'essayer à plusieurs pour voir la dynamique. Là. Fait que, parce qu'effectivement, le, le thème, moi, le thème, je le trouve très spécial et intéressant. Et ouais, puis, comme tu as euh, dit tantôt, pour nous autres québécois, c'est la guerre des trucs. Si vous ne savez pas, c'est quoi? C'est un film cul de notre enfance. Ah, écoute, oui. Ou un film 3D pour les gens plus jeunes, là, parce oui, que vrai. les gars, la, ils l'ont fait en version euh, animée 3D. Fait que, ben, OK, c'est bien pour euh, Fort. Merci beaucoup, David. Alors, euh, écoutez, on va passer à notre sujet principal immédiatement. Alors, on va y aller avec la présentation maintenant des meilleurs et des pires livrets d'instruction. Mais on va prendre une petite pause. Vous autres, c'est deux secondes, mais nous autres, on vous revient dans pas grand temps. Alors là, on était, imaginez-vous, euh, David et moi, en train de discuter de pendulum euh, qui n'a <laughs> aucun rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. <laughs> Parce que a... moi, je n'ai pas lu le livret d'instruction, je ne sais pas s'il est bon. Puis moi, ben j'ai juste fait le déballage pour l'instant. Que... Parlons donc un petit peu de ces, de ces instructions-là, euh, qui, euh, qui, qui est la raison d'être de ta chaîne, euh, justement, de faire en sorte de rendre ces livrets d'instructions-là relativement inutiles. Pas totalement, parce qu'on va toujours en avoir besoin. Euh, mais faire en sorte de rendre ça plus agréable. Disons, vulgariser. vulgariser ces informations-là. Oui, c'est de les rendre plus accessibles et souvent, c'est de changer aussi l'ordre dans lequel sont amenés dans le livre. Des fois, dans ma vidéo, je change l'ordre, je le mets d'une façon que moi, je trouve qui est plus simple à expliquer. Euh, souvent, en complexité, d'expliquer des actions peut-être plus simples au début puis d'y aller tranquillement plutôt que de commencer avec la grosse action compliquée en partant. Fait que, il y a une façon d'organiser les, les informations puis c'est souvent ça qui fait un bon livret d'instruction. C'est pas tant le contenu des phrases, c'est plus la façon dont tu es présente, ouais. l'ordre et la structure du livre est quasiment ouais. plus importante que les règles en tant que telles. Maintenant là, avant qu'on commence là, si on avait donné parce que tu sais, moi je ne serais jamais capable d'écrire un livret d'instruction. je pense que ça doit être très difficile d'écrire un livret d'instruction parce que tu dois t'assurer en moins de pages possible d'expliquer de... un jeu puis imaginez un jeu complexe dans toute sa complexité. Il faut que tu sois capable de, de t'assurer que la personne qui lit soit capable de bien comprendre tous les, euh, tous les, les éléments de ton jeu et toutes les... les euh, comme, de, je cherche mes mots ce soir. Les subtilités. Euh, les subtilités, puis les, les choses qui peuvent arriver qui sont bizarres. Il faut que toutes que tes questions t'arrivent. À un moment donné, tu dis, tu lis un livre d'instruction. Tu dis, ouais, mais s'il se passe ça, qu'est-ce qui arrive? Faut qu Il faut qu'il réponde à ta question. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon livret d'instruction, David? Ça prend une bonne structure. Bonne structure. Et une structure commence toujours comment, selon toi? Ben une structure euh, en présentant le matériel. Oui. Tu sais, au début, quand je commençais dans les jeux de société, on... des fois, j'ouvrais un livre d'instruction puis j'étais comme « Pourquoi il y a la liste du matériel avec le nom de chaque affaire? <laughs> » Je trouvais ça inutile comme page, mais finalement, ben plus tu vas dans des jeux complexes, plus tu te rends compte que c'est juste pour assimiler le vocabulaire. Du oui. jeu, que ce jeton-là s'appelle de telle façon, euh, ce marqueur-là s'appelle de telle façon, cette figurine-là s'appelle de telle façon. En euh, c'est vraiment un, un, un exercice d'apprendre le vocabulaire. Puis, je te dirais, la deuxième chose, c'est de garder le même vocabulaire dans tout ton livret d'instruction. Oui. de ne pas de, de ne, faire le contraire de ce qu'on te demande à faire à l'école, ne trouver aucun synonyme pour vos vocabulaires, réutiliser tout le temps les mêmes mots, les mêmes termes. Parce que sinon, vous allez mélanger les gens euh, avec des synonymes. Tu vois, sais, c'est quoi c'est ah, un jeton, un, un jeton de telle affaire ou un autre jeton de telle affaire, c'est la même affaire, c'est deux, deux mots différents, ah, c'est le même jeton. Fait il faut toujours que tu leur donnes la même appellation ouais. tout au long du livre de règles. C'est répétitif, mais c'est comme ça que ça va rentrer dans tout. Moi, je dirais qu'un des éléments que ça prend, c'est après le matériel, ça prend le setup. Euh, la mise en avec place. Une image. Avec une image, puis des numéros. Oui, pour bien expliquer parce que c'est niaiseux, parce que la mise en place, même si tu n'as pas encore tout expliqué tout compris le concept, une fois que tu comprends comment le jeu il est placé, puis comment les, comment les choses, comme tu disais, avec le vocabulaire, où les choses sont placées, qu'après ça, il commence à expliquer dans la façon de jouer, les tours de jeu, euh, vous prenez telle affaire, telle affaire. Déjà, on a une idée dans notre tête de... Comment, où, où ça devrait se placer. C'est plus facile, je pense, de comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de livrets d'instruction dans les dernières années qui souvent expliquaient les concepts, puis finissaient par arriver avec le setup au milieu du livret. Puis dans ce temps-là, c'est mal placé. Euh, les gens, je pense qu'ils veulent comprendre la mise en place avant de comprendre les concepts du jeu. Euh, fait que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, dans, quand on commence tout de suite avec une belle mise en place bien imagée. Autre chose qui est le fun aussi, c'est euh, soit des aides de jeu sur des cartes ou un aide de jeu à, au recto du livret, là, un genre de résumé euh, de ta séquence de jeu, un résumé de tes icônes, ton iconographie. Ouais. Donc, ce genre de page-là à la fin du livret, c'est aussi souvent euh, très apprécié. Des exemples, des exemples, ça ah, prend ouais. des exemples euh, aussi. Puis des fois, je suis pas mal sûr que les. Les auteurs, ceux qui font les livres d'instruction, ils disent Voyons, je ne ferai pas un exemple pour ça, c'est être trop facile. Hey, un ça prend un exemple parce que on, quand on se fait expliquer, quand tu te fais après ça te donner euh, la représentation de ce que tu viens de te faire expliquer, c'est, moi je pense que c'est essentiel dans un livret d'instruction de, d'avoir des exemples pour expliquer tous les mécanismes qui sont du jeu, là, pour bien nous présenter comment les choses vont se, pla vont se placer. Um, je suis d'accord avec les exemples, puis en plus, je suis quelqu'un qui ne lit pas souvent les exemples, parce que dans le fond, pour moi, l'exemple c'est comme le plan B, dans le sens que pas, les, pas la compagnie, là, mais <laughs> on va <en> reparler tantôt. <laughs> oh. Mais euh... dans le sens que je lis une règle ou je lis un groupe de règles, puis souvent, si j'ai compris la règle, je n'irai pas lire l'exemple. Ok. Ensuite, si je lis une règle et là, je me pose une question. Ah, je suis pas sûr comment qu'elle s'applique ou ne je, ré... je suis pas sûr de son application. Là, je vais aller lire l'exemple. Puis souvent, l'exemple va faire ah, il répond à ma question justement que je me pose. Puis pour moi, l'exemple, je le lis juste quand j'ai cette interrogation là. Tu vois, moi, c'est pas comme ça du tout. Moi, on dirait que l'exemple, j'en ai besoin pour confirmer que j'ai bien compris. Tu sais, là, je lis ça, pour ça, je regarde l'exemple, je fais comme ah, ok, c'est comme ah, ça oui, que ça fonctionne. Ah, oui. fait qu on qu'on dirait, moi, l'exemple, j'en ai besoin pour confirmer. Que ce qui vient de m'être expliqué, je l'ai bien compris. Puis ce qui est le fun aussi des exemples, c'est de nous donner des exemples où il y a des, euh, des, 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 euh, des affaires bizarres. Je cherche encore, mais moi, Des exceptions. Des exceptions, tu sais, que des, des choses qui arrivent rarement, mais qui peuvent arriver dans la partie. Puis comme ça, tu le vois tout ça de valide. suite. Tu sais, t as, t as justement la règle en question. Mais selon moi, David, moi, ce que ça prend le plus dans un livret d'instruction, c'est un index. C'est assez pratique. Puis il y en a beaucoup de livrets d'instruction qui n'ont pas d'index. Surtout quand on joue à des jeux qu'on a déjà joués, mais qu'on prend deux, trois mois après. Puis que là, euh, on veut juste se remémorer une règle au lieu de tout repérer, d'aller voir exactement ce que je veux parler de point de vie. Point de vie, page 24. C est, c est, c est, faudrait, ça, ça devrait être dans tous les livrets d'instruction. Je pense que ça dépend de la grosseur du ouais. livret de règles. Si livret de cinq pages, je ne pense pas que d'avoir un index, c'est tant pertinent. Si c'est un jeu qui a un livret de 20 pages, ça, ça a plus sa raison d'être, je pense. Effectivement. C'est sûr. Malgré que un petit index, ça peut quand même faire en sorte que tu vas trouver ouais. quand même l'information. Parce qu'il y a des petits livrets d'instruction de 5 pages qui sont mal faits. Ou oui. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde de faire des bons livrets d'instruction. Il y a des livrets d'une page qui sont mal faits. <laughs> Il y en a beaucoup qui pensent que ça va être tellement simple que. Hey, les instructions, on va laisser faire ça. Fait que, en tout cas, est-ce qu'on y va avec nos choix? En passant, nos choix, c'est très générique. C'est pas... Vous allez voir. C est, c est. Euh, moi, je vais y aller avec... Ça se fait par rapport à nos expériences aussi des derniers oui. mois, des dernières années. Puis encore une fois, c'est très personnel comme choix. Là. Tu sais, je vais vous dire, il y a peut-être un livret qu'on va vous présenter. Vous allez dire « Ah non, moi, j'adore ça ». Ça dépend toujours de vos expériences. Je veux pas dire qu'on est des professionnels. Hein, David, c'est très important. Nous sommes, moi, je ne me considère pas comme un professionnel des jeux de société, mais je me considère comme quelqu'un qui en a lu plus de 500. Fait que. Je me, Quand dis, même. Je me dis que je, je pense que je finis par connaître un peu ça. Moi, mais les premiers que j'aime beaucoup, là, je, je te présente On Mars, là, mais je te présente la. C'est pas mal la gamme les de tous les, les jeux de la de Eagle Griffin Games. Euh, je trouve que ce sont des, des livrets qui sont très bien fait dans l'ensemble. Et j'ai l'impression que Vital Lacerda a toujours eu le souci de vraiment bien expliquer ses concepts et de mettre ses exemples, tout le temps, tout le temps les exemples sur le côté comme ça, pour expliquer le concept en question. Ce qui fait en sorte que quand vous lisez le livret, vous allez toujours, toujours, toujours avoir accès à, euh, à des exemples pour vous expliquer ce qu'il vient de faire. Et c'est toujours très, très... Très imagé. Euh, je pense que c'est un, un qui a vraiment un, un design graphique là, au niveau de, de sa présentation. Puisque j'ai compris aussi qu'il se fait beaucoup aider par le maître anglais de, des, des livrets d'instruction qui est euh, Seth Rogen. C'est <laughs> <Seth> euh, <laughs> quoi son nom? Ici. Un peu. Paul Rogen. Paul, Paul Rogen, Rogen ouais, son cousin. <laughs> c'est de la compagnie Gaming Rules là, qui a une chaîne YouTube. Ouais. Là, euh, qui est maître dans lui, 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 il ne fait que ça, délivrer des instructions en plus de faire Fait que je trouve que toute la gang, tous ceux que vous voyez juste en arrière de moi, là, de Galleries, Escape Plan, probablement euh, le prochain qui s'en vient, ont tout le même design. Puis euh, le On Mars avait aussi euh, euh, un, un genre de guide de référence aussi qui vient avec, euh, qui, qui comme les règlements, mais un petit peu plus rapidement expliqué. Fait que c'est euh, puis tout, chacune des cartes aussi. Ça, c'est toujours très apprécié quand chacune des cartes est bien présentée. Oui, pour on oui avoir Un savoir. index des cartes euh, ou des effets de, de telle affaire, des habiletés, euh, c'est toujours le fun. Fait que, euh, je vous dirais ça, euh, c'est quand. C'est des jeux complexes là, pour la majeure partie, mais ils se lisent très bien, ils sont le fun à lire. Puis quand tu sors de là, souvent, tu as, as une bonne. Je ne dis pas qu'on est, on est des experts après une lecture, là. Mais on a une bonne compréhension de la base, puis on peut commencer à s'installer pour jouer. Ah, c'est d'autant plus important dans un jeu de cette complexité-là que le livre de règles soit bien fait. Oui. Sinon, euh, ça va rebuter encore plus de joueurs. Effectivement. Effectivement. Comme Tekkenou, euh, l'obélisque du soleil, je te dirais que c'est un livret qui est moitié, mettons. OK. Il est moitié bien fait, moitié. Euh, il il est super bien fait pour son. Il explique toutes les cartes bien comme il faut, mais les concepts de jeu, des fois, ils sont. c'est pas si mal, mais la manière qu'ils l'ont séparé, comme tu dis dit, la... d'avoir une bonne une bonne structure, là, je trouvais que c'était moyen comme présentation. Mais c'est pas si mal quand même. Moi, j'ai un jeu que, que j'ai reçu récemment, que, que tu as aussi, qu'on a joué ensemble même, euh, que j'ai trouvé qui est, qui, est, qui est bon à mentionner euh, comme mon numéro 3, c'est euh, Smartphone Inc. Oui, OK. Et euh, pour moi, ce livret-là, il y a deux grandes forces. Là. La première, c'est sa structure. C'est un livre de règles. Mais le jeu est très structuré en tant que tel, là, mais le, le livret de règles, la manière que c'est expliqué, phase par phase, on ne fait pas de promener dans le livret de règles non plus. <laughs> c'est aussi, je trouve que c'est important de lire un livret de la page 1 à la page 10, euh, que ce soit vraiment d'une page à l'autre, de ne pas avoir à se promener et à, à trouver des trucs et de, des choses comme ça. Donc, un euh, livre super bien structuré, puis aussi euh, le, le langage du jeu, l'iconographie qu'ils ont utilisée, les codes de couleurs, tous ces petits éléments-là, euh, c'est dans le design du jeu, mais ça, ça rentre aussi dans les règles. Euh, puis ça, ça facilite beaucoup la compréhension, euh, ça facilite que l'aide de jeu, c'est carrément sur mm. le plateau, fait que tu n'as même pas besoin d'avoir le nez dans les règles, parce que justement, faut que tu as assimilé ce langage-là avec les couleurs, les actions, les phases. Ben, tu peux te référer à la charte qui est sur le plateau. Fait que pour moi, c'est vraiment une grande force. Fait qu'un livret qui était super bien structuré, super bien euh, aéré aussi. C'est ouais. pas trop euh, C'est pas trop euh, un gros gros. C'est pas, pas, pas condensé, c'est très. Ah, c'est ça. Puis ouais. la, la belle structure que ça avait, le langage avec les, les couleurs, les, les icônes. Pour moi, c'était vraiment parfait comme livret de règles. Puis ça, ça donne le coup de plonger dans le jeu après que tu as fini de lire le, ce livre-là. Ouais, c'est probablement le jeu le, le mieux structuré que j'ai joué dans les dernières années. Là. Quand tu dis l'étape 1, tu fais ça. L'étape 2, tu fais ça. Ah, l'étape 3, c'est ça. C'est très mécanique. ne pas te perdre. C'est un jeu mécanique. C'est peut-être un peu trop mécanique. Je sais qu'il y en a qui le trouvent trop genre. T'sais, tu fais 1, tu fais 2, tu fais 3, tu fais 4. C'est pas, euh... pas tout le monde qui apprécie smartphone. Je me suis rendu compte en faisant ma, ma session de jeu qu'il y en a plusieurs qui disaient Ouais, ça. C'est un peu ennuyant comme jeu. Bon, écoute, c'est un, 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 choix. Moi, j'aime bien, bien le jeu justement parce que faut de temps en temps d'avoir une structure simple aussi, c'est le fun. Puis euh, effectivement, le livret est très très bien présenté. Fait que pour une compagnie russe, euh, on fait une bonne job. Je connais pas tant d'autres compagnies russes de jeux. Non, mais effectivement, ils ont bien, ils ont bien réussi ça. Euh... Oh. Ouais. Mais moi, je vais te parler en général de Fantasy Flight euh, depuis quelques années. Euh, Fantasy Flight ont tendance à faire des, euh, des livrets d'instruction en deux parties. Puis, ce pas toujours un succès, mais euh, souvent, ça fonctionne bien. Comme Marvel Champion, dans le fond, quand tu, quand tu commences à jouer, tu lis le, 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 livre, le livret d'apprentissage qui te donne les concepts de base du jeu. Euh, puis, une fois que tu as fini de lire ça, c'est simple, c'est quand même très imagé. Tu es capable euh, de jouer ta game d'introduction après. Tu ajoutes ta game d'introduction. Puis là, si tu as des questionnements, après ça, ben, tu as un magnifique index à l'ando. Puis là, ben, mettons, si je veux en savoir sur, euh, mettons, euh, ne peut pas, euh, ben, tu t'en vas à la page 13. Puis à la page 13, tu vas avoir les. Euh, L'information sur ne peut pas. Puis ce que je trouve super le fun dans ce jeu-là, c'est comme par exemple mise en place. Ils vont dire voir Appendix 2, mise en place. Euh, c'est comme une mini-encyclopédie du jeu. Puis à chaque fois que j'ai joué à Marvel Champion, puis que j'ai eu une petite question de règle, parce que je n'étais pas sûr de quelque chose, j'allais voir là-dessus. Je retrouvais après ça les informations qui sont bien expliquées. Donc tout ce système-là de livret d'apprentissage et d'avoir un guide détaillé en ordre alphabétique. Euh, ah, c'est un petit dictionnaire du jeu. C'est un, un petit dictionnaire. Et à peu près tous les jeux de Fantasy Flight utilisent ce, cette façon de fonctionner. Pas les, les plus petits jeux, ils ne le font pas, là, mais les, les, les. gros jeux. Jeu. gros jeu font ça. Puis depuis quelques années, je vous dirais que c'est une belle référence dans les livrets d'instructions. Moi, j'aime ça. Euh, puis je trouve que c'est quand même bien fait. Puis dans l'ensemble, en arrière, toutes les icônes sont bien, sont bien expliquées. toute la. Les, les, les façons de jouer. Fait que, euh, ça, c'est quelque chose euh, pour moi que euh, j'apprécie beaucoup. À chaque fois que je reçois un jeu Fantasy Flight, je sais que le livret d'instruction va être bien fait, qu'ils vont avoir bien réfléchi à ça. Puis, euh, comme par exemple, le dernier jeu, euh, pas le dernier jeu, mais euh, Le Seigneur des Anneaux, il fonctionne aussi de la même façon. Oui, euh, Pearl Assault, Star Wars Rebellion aussi. Fait, fait que c'est tout. Euh, à chaque fois, on a une petite question. Ça ne prend pas de temps. On trouve l'information pour continuer à jouer. Fait que euh, Belle pensée. Belle façon. Ouais, c'est aussi parce que, c'est aussi, de, de lire un livre d'instruction, c'est une chose, mais de, 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 une fois que tu commences à jouer, ton livret d'instruction devient une référence. Oui. Tu souvent, dans tes premières parties, c'est sûr que tu vas aller mettre le nez dedans. Fait que si le livre il est mal fait, là, tu, tu trouves pas l'information que tu cherches. Ça, c'est frustrant, puis souvent, tu es en train de jouer, tu ne pas de passer cinq minutes Et tout à est chercher un, dans la ligne. Tout est une question de structure, tu le dis. Quand c'est bien structuré, quand tu sais où aller trouver l'information, parce que tu ne veux pas passer 15 minutes à chercher, parce que les autres, ceux qui sont autour de la table, ce pas tous des grands gamers, puis ils commencent à trouver ce long, puis ils commencent à surtout à te trouver fatiguant. Puis des fois, ils disent Pourquoi tu veux trouver ça Parce que je veux savoir comment ça marche fait que euh, c'est ça. Ouais, effectivement, puis ça ça aide beaucoup ces, euh, ces situations-là. Moi, j'ai une autre compagnie que, que j'apprécie particulièrement, leur livret de règles. À chaque fois que j'achète leur jeu, je sais que ça va être bien expliqué, euh, puis que ça va être un, un plaisir de lire leur livret. C'est euh, Days of Wonder. Oh! Tous leurs livrets font à peu près ouais. entre 5 et 8 pages. Ce pas nécessairement des jeux de grande complexité, mais la structure, elle est parfaite. Les exemples sont là, les images, le, le setup au début. C'est comme pour moi le prototype du livret d'instruction parfait. C'est les jeux de Days of Wonder. Si j'avais à écrire un livret d'instruction d'un jeu, je me baserais sur le livret à eux autres. Je trouve tellement qu'ils sont friendly, qu'ils sont faciles à embarquer puis à dévorer. Donc, chaque jeu de Days of Wonder que j'ai lu, j'en ai quand même pas mal dans ma collection. Euh, J'ai trouvé ça vraiment fantastique, le livret d'instruction, comment ils les font. Puis euh, pour moi, c'est une des références euh, encore aujourd'hui en frais de livret d'instruction de toutes les Days of Wonder. Puis il faut dire aussi que Days of Wonder ont quand même le souci souvent de s'adresser à un grand public plutôt que ce soit un public, admettons, plus, plus gamer. Fait que c'est sûr que les autres, ils doivent prendre encore un petit... faire encore plus attention. À leur livret, puis souvent aussi ce sont des Ou jeux. vocabulaire aussi. Oui, le vocabulaire, effectivement. Euh, pour qu'ils soit justement plus accessible. Puis vous savez pas à quel point euh, les livrets d'instruction peuvent être une barrière d'entrée assez importante pour certaines personnes dans les jeux de société. Comme moi, je sais qu'Hélène ne lira jamais un livret d'instruction. Elle n'a aucun intérêt. D'ailleurs, elle ne comprend pas mon intérêt de lire ça. D'ailleurs, je, que... je te dirais que plus je vieillis, puis moins je quand j'ai commencé à aimer vraiment le, le a -B, j vraiment, je mangeais les livrets d'instruction. Là, quand je vois un livret de 30-40 pages, je commence à trouver ça. Bon, David, as-tu fait une vidéo là-dessus? Ben, Puis tu, tu ris, mais le, le nombre de fois que je me fais dire hey, j'ai acheté tel jeu je ne comprenais rien au livret, je suis allé voir ta vidéo, j'ai tout compris, j'étais capable de jouer, Puis c'est ça, c'est ça que je veux entendre, c'est pour ça que je fais des vidéos c'est pour partager, c'est pour vous aider à apprendre les jeux, puis euh, que vous ayez du plaisir avec, parce que c'est vrai, t'as raison, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à comprendre un livret d'instructions en le lisant, donc ils vont préférer aller écouter une vidéo, donc il faut que la vidéo soit bien faite, il faut qu'elle soit complète, il faut que ce soit bien structuré, il faut que ce soit oui. bien vulgarisé, euh, pour que la personne comprenne bien. Fait que, qu à chaque fois que je me fais dire ça, ça me fait un petit, un petit baume au cœur de, de voir que, que j'ai aidé quelqu'un à découvrir un nouveau jeu avec les... en lui expliquant les règles. Si vous saviez comment tous les bons commentaires qu'on reçoit nous font toujours plaisir, fait que ne vous gênez pas à les écrire, on les lit puis à chaque fois on fait comme ah c'est cool, c'est pour ça que je fais ça. Ça nous motive à continuer. Ah, ça coup. nous motive à continuer. Mais on ne peut pas juste avoir des bons commentaires. Bon bref, ben non, non. parenthèse. <laughs> Moi ouais. je vais te parler de Great Western Trail euh, qui ouais. était euh, un de mes premiers livrets. Ben, un des premiers jeux que j'ai eu à l'époque, quand j'ai commencé ma collection. Euh, puis, euh, c'est le c'était ma première fois avec Alexander Fester. Puis, euh, Great Western Trail, il est reconnu comme étant un des meilleurs livrets euh, d'instruction, à cause, encore une fois, de sa structure. Mais lui, il avait même un code de couleur. Euh, puis, ça aussi, c'est intéressant quand il y a des codes de couleur à l'intérieur. Chacune des actions était codée avec différents types de couleurs en haut avec les titres. Puis, euh, dans Marco Polo, il y a ça aussi. Fait que c'est peut-être. C'est Marco Polo Non. Ok, parce que je me suis dit c'est peut-être Tigersfield qui faisait ça, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Fait que c'est sûr que ça aussi, quand tu réussis, quand tu cherches quelque chose, puis tu dis, ah, il me semble que c'est dans telle action, mais que les actions sont séparées avec justement différentes. Soit des encadrés, euh, c'est plus facile d'aller trouver des informations parce qu'il n'y a pas d'index. Dans celui-ci, mais euh, à chaque fois que j'ai quelque chose de très rapide à aller chercher, bien, tout était facilement retrouvable dans ces livrets-là. Donc, il y en a qui ont des soucis justement. Pour les, ils savent que les gens vont peut-être retourner à quelques reprises dans le livret. Alors, pour essayer de retrouver rapidement, ils vont trouver une façon de rendre ça plus épuré et euh, de rendre ça plus facile pour pointer nos nos yeux à la dans la bonne direction. Donc, euh, ces types-là de. Il n'y en, en a pas énormément. Je pense qu'il y a aussi euh, euh, Castle of Burgundy. Qui, euh, Je pense que Coimbra, il y a même aussi de tu sais, Gerspeace. Souvent, ils ont, ils ont des exemples sur le côté, puis ils expliquent. Ils expliquent de façon. En tout cas, c est, c est, quand c'est. Comme tu l'as dit, quand c'est bien structuré, ça fait des très, très bons livrets d'instruction. T'en as-tu un autre? Ben oui, mon. La meilleure, Les meilleurs livrets d'instruction, Martin, oui. c'est les livrets en deux livrets de FFG. C'est ce que je viens de parler. <laughs> c'est ça, mais c'est mon premier. <laughs> okay. C'est ton numéro un. <laughs> c'est numéro, numéro un. C'est les meilleurs livrets. <laughs> Attends. Euh, parce que tu cherches jamais l'information. Tu gardes dans l'index. Ah, on, on cherche l'information sur la ligne de vue à un peu la sorte. OK, ligne de vue, page 12, page 12, ouais. la ligne de vue, ta, 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 ta. C'est magique ces livrets là, puis c'est vraiment le fun comment ça fonctionne. Root, on fait quelque chose d'un peu semblable avec ça. Euh, je l'ai pas mis parce que bon, il y a eu beaucoup d'erreurs de, de, avec les, les premières impressions puis tout ça. Ils ont fait des modifications, ça, je suis peut-être un peu moins d'accord avec cette façon de faire là. Mais pour FFG, ouais. ça fait longtemps. Le premier, je pense que j'ai appris comme ça, c'est un peu la Oui, c'est le premier, je pense. Ouais, ça se peut. Oui. Depuis que j'ai lu ça un peu à la sorte, tous les autres jeux, euh, bordure extérieure, voyage en terre du milieu, rébellion, euh, Marvel Champion, ont toute cette structure-là. Arkham Horror, le jeu de cartes, aussi, fonctionne comme ça. Okay. Euh, si Ma mémoire est bonne, mais bon, ceux-là ne sont pas super bien écrits par exemple. Mais sur... <laughs> c'est vraiment un bijou, cette façon de fonctionner-là, puis... C'est que ça va faire, ça va devenir une, un excellent guide de référence. C'est les livres dans lesquels vous allez trouver l'information le plus rapidement avec l'espèce le, de gros livret de référence qui est un genre de dictionnaire du jeu en tant que tel. C'est vraiment. Ça doit être ça doit être compliqué de faire des de livrets comme ça. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment que tu te, tu te mendes à faire un livret ah, de des ce fois, type. -là. Tu cherches une règle ou tu cherches un mot. Puis là, ils vont te dire Ah ben ce mot-là va voir dans la telle règle Exact. Qui a pensé à mettre ce mot-là avec la référence de t'envoyer à telle page. Fait que tu sais, c'est vraiment réfléchi comme travail. C'est comme euh, Péril, c'est écrit voir mot-clé. Puis quand tu vas après ça, tu vois. Dans c'est standard alphabétique, donc euh, tu dis mots-clé, puis « péril, il est ici. c'est ouais, comme un dictionnaire. Donc, ça m'a pris quelques secondes à... Puis Péril était écrit dans l'index. Je me rappelle, ils disent « allez voir dans les mots-clés Dans les mots-clés, je trouve. Et on trouve l'information très rapidement. Je suis très d'accord. Moi, je ne les avais pas mis dans un ordre de quelconque, mais je te dirais que ce serait mon numéro un aussi euh, de, de les types euh, de... euh, définitivement. C'est les meilleurs. Bon, là, est-ce qu'on s'amuse un petit peu? On... On... <laughs> ouais, quand même. OK. Bon, moi, mon premier que je dois te montrer, c'est celui-ci. Non, on parle des pires livrets. Ça, c'est les pires livres. <laughs> les pires livres. Okay. Euh, moi, j'en ai trois, puis j'en ai deux qui sont identiques un petit peu dans la raison. Unicornus Knight, c'est un excellent jeu. Euh, mais c'est un des pires livrets que j'ai lu dans l'histoire des jeux de société. Puis je l'ai encore, le jeu. Je l'ai gardé parce que c'est tellement intéressant comme concept de jeu. Ils fait, je pense, dans ouais, le Oui, ils ont fait le fait. jeu. Parce que la grosse problématique de ce jeu-là, okay, en plus d'avoir beaucoup trop de pages pour rien, c'est le setup, ici. Il avait fait une erreur dans la, fa dans les, dans la façon de, de, de placer les, euh, les différents, euh, euh, donc les, les, voyons, les, les plateaux, les, euh, les territoires, oui. les tuiles. Euh, il n'avait pas mis des bons codes de couleur et ça ne fonctionnait pas. Et euh, ils se sont excusés. C'est là qu'ils ont été obligés de refaire un deuxième livret. Les livrets d'instruction qui ont des erreurs dans leur première impression, c'est inacceptable. Pour différentes raisons c'est que oui aujourd'hui on a internet pis on est capable de trouver des informations mais quand tu ne fais que lire ça puis tu fais comme voyons ça ça marche pas fait que là tu comme qu'est-ce qui qu se passe je comprends rien puis euh, il y avait des erreurs dans les exemples dans les flèches il y avait pas mis les bonnes, les bonnes directions c'est un livret d'instruction qui était truffé d'erreurs et euh, je te dirais que malheureusement c'est ce qui fait en sorte que Unicornus Knight c'était une des expériences de jeu les plus c'est un jeu compliqué, là. c'est ça le problème, c'est que c'est un jeu compliqué. Les, les règles ne sont pas faciles, il n'y a pas d'index pour retrouver l'information rapidement. Euh, il manque d'exemples, Les exemples ont des erreurs, le, la, la mise en place a des erreurs, bref, très mauvais, un des pires livrets d'instruction qui a été refait. Là. Donc si vous achetez Unicorn Snight aujourd'hui, ils ont probablement la meilleure, une, un meilleur livret que ça, puis je pourrais aller me chercher le nouveau livret aussi, mais ça ne devrait pas arriver dans les versions. Mais, puis les avantages du board game, comme tu dis, c'est pas comme le jeu de vidéo où il y a un bug dans le jeu, on met un patch, c'est fini, tout le monde est correct. Bien là, il n'y a pas vraiment de patch. Puis là, le monde va dire, bien, ben, va voir sur BGG, va voir sur un forum, va aller les errata sur le site de la compagnie. On ne devrait pas avoir à faire ça. Jamais. Euh, moi, j'ai ça, faire ça, aller, de me faire dire, ah, va sur BGG, on a mis l'erata. Le, non. J'ai acheté un jeu. Si tu as fait une erreur dans le livre, techniquement, quand tu imprimes un nouveau livre, me je, devrais je devrais t'écrire et tu me l'envoies. C'est ta responsabilité de me l'envoyer. Puis ça, c'est peut-être ce que les, les compagnies Kickstarter ont l'avantage parce qu'ils ont le lien avec leurs backers versus euh, que je l'achète en magasin. Euh, Il y a des compagnies comme Mythic Games, par exemple, qui ont, qui ont fait des, des, des erreurs de fou dans, dans Jeanne d'Arc ou dans Mythic Battle mais qui ont fait des corrections puis qui ont envoyé les nouveaux livrets d'instructions à leurs backers en disant c'est bien. On s'excuse, c'est notre responsabilité de te l'envoyer, mais pour moi chaque compagnie aurait cette responsabilité-là, qu'on soit sur Kickstarter ou pas. Oui. Fait que, pour moi, ah, j tu leur écris, tu leur dis, hey, j'ai le premier print de Unicornus Knight et ils devraient t'envoyer un livret d'instructions." Je vais essayer. C'est à Je essayer. On... Oui. C'est quand même une compagnie qui a un bon service à la clientèle, je pense. Euh, mais je pense que c'est leur responsabilité de t'en envoyer un nouveau. T'as acheté le jeu, là. Oui, effectivement. C'est passé pas des petites erreurs. Tu sais, des fois, tu peux accepter des petites erreurs, mais des grosses erreurs comme ça, c'est. Euh... inacceptable. Ah non, ça pas Toi? Moi, mon numéro 3, c'est le jeu qui s'appelle euh, Tris Megistus. Très oh, Seigneur. Tris Majestus, la formule ultime. Euh, c'est un autre jeu de Board and Dice là, que tu parlais tantôt avec euh, Tekenu. Oui. Euh, le du Soleil, donc c'est un compagnie. C'est quand même souvent des gros jeux euros assez complexes, on ne se le cachera pas. Oui. J'ai acheté ce jeu-là euh, quand il est sorti. C'est un jeu de, 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 de super auteurs. C'est euh, Daniel Taccini, puis, euh, puis je pense David Turzi aussi qui a travaillé dessus. Encore? Euh, Mon Dieu! C'est un duo, un nouveau duo de l'heure. Non, il a fait le solo, peut-être. C'est Federico Pierlo ah, okay. Renzi puis Daniel Tassini. Ah, ok. Il n'a pas travaillé dessus, David Tourdi. Il ne peut pas être partout. Là. Non, c'est ça. Euh... Ben, peut-être qu'il a travaillé dessus parce que c'est un joueur aussi. Fait que, en tout cas... Ah, moi, bon, hein, peut-être. Bon. Donc, euh, j'avais hâte parce que là, Théo ah. Tsuakan venait de connaître un gros succès. Fait que Là, lui, c'est comme le jeu qui est sorti après. Donc, euh... ah ben oui, Solo Mode. David <laughs> David tu et puis Nick sont Évidemment. Fait Évidemment. que voilà. <laughs> Donc, euh, je me le procure. Um, il était juste sorti en anglais quand je me suis procuré. Je m'installe, je lis le livre d'instruction. <laughs> Pour vrai, c'est la première fois que j'ai lu un livre d'instruction et j'ai rien compris. <laughs> je ne suis, suis pas capable de m'installer et de jouer de game après avoir lu le livre. Je suis comme. Voyons, qu que si je viens de là, c'est quoi ce livre-là? Et c'est quoi la raison, tu sais-tu? Je vais réessayer une deuxième fois, je me réinstalle un autre jour, je commence à aller. Rien non plus. tout perdu, rien à faire. J'ai jamais passé au travers. J'ai jamais <laughs> été capable de jouer une game de ce jeu-là encore. Okay. Je pourrais, je pense, faire quelqu'un me l'explique. <laughs> C'est quand même. quand même drôle. <laughs> Expliquez-moi ce jeu-là, quelqu'un. Mon Mais, Dieu! Tu le livret... Souvent, il fait des références à des choses qui sont plus loin. Là. Ça, j'ai ça. C'est comme tu lis quelque ouais. chose, ah oui, as affaire l'affaire t'expliquait à la page 12, ouais, mais j'étais à page 4. Oui. J'ai pas à la page 4. Ouais. Ouais, <laughs> 12. Structure. Structure. Des fois le vocabulaire il change. C'est comme t'as l'affaire, ça ne s'appelait pas de même. Ah mais là, c'est un autre mot. Ah, mais c'est la même affaire. Non. Ok, c'est ça. Okay. <laughs> que, bref, euh, il m'a donné des mots de tête, puis j'ai jamais été capable de jouer une game jusqu'à ce jour encore. J'ai pas réussi une troisième fois à donner le livre de règles. Donc, euh, ceux qui ont réussi à, à aller puis et à passer au travers, vous me donnerez des trucs. Peut-être faudrait que j'achète la version française, mais ça a l'air qu'il y avait des erreurs de traduction dedans. C'est peut-être pas mieux. C'est quand même un 4.01 sur 5 sur, ouais, sur y a, BGG. Y a eu quand même. Fait fait pas que... de complexité, livre mal structuré, mal chié, c'est dur à prendre en main. Et ça euh... fait une belle barrière, euh, je trouve. Et euh, une barrière qui fait en sorte que tu n'as pas joué à cause de ça. Ça, c'est quand même quelque et chose. Je suis encore sur ma pile de honte depuis un an et, qu un an et demi qui est sorti ce jeu-là. J'ai hâte de voir ta vidéo de règles de Justice. en 2032. <rire> <rire> Lorsque j'aurai compris ce jeu-là. Euh, mon numéro 2, euh, David, de moi, euh, c'est euh, du pire livret d'instruction que j'ai lu dans ma vie. Je vais controverse de la zone encore, je sais pas. En fait, mes deux, des, mes deux derniers, c'est peut-être des controverses. Faites attention, David. Ça se peut qu'il y ait. Euh... C'est tout Many Bones. <coughs> non, malgré tout mini Bones. Close je, je, mais to, <laughs> ni Too Many Bones, ni close part, je les ai mis dans les meilleurs. Je te dirais qu'ils sont. Ouais, son, moyen. Son, son Ils se sont améliorés avec le temps à cause de leur fiche d'aide de jeu. La fiche ben, là, qui est rendu très grande, mais, mais le livret d'instruction de Too Many Bonds, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas des meilleurs. Puis, euh, il a fallu souvent que je relise plusieurs fois pour comprendre. Euh, comme tu disais encore une fois, c'est la structure, je pense qu'il y avait des problématiques. Non, c'est euh, l'ordre de VL. Fait que, faut que je te le dise, lors de VL, je vais, je vais continuer à fesser dessus, mais ils savent, si vous avez écouté ma chaîne, euh, c'est un, un livret très, très mal construit, euh, très mauvaise structure, avec très peu d'informations, manque d'exemples, manque totalement En fait, je ne suis même pas sûr s'il y a des exemples dans le livret. Euh, en plus de ça, il y, a, euh, euh, il y a des erreurs. Il y a des erreurs très importantes dedans dont. Euh, dans ce jeu-là, quand tu bats des monstres, euh, c'était, euh, je pense, euh, écrit à l'arrière qu'il fallait lancer 2D6, mais dans, dans le fond, c'était un D6. Donc, je ne me souviens plus trop, mais c'est une erreur très importante. Et surtout, l'affaire la plus importante, David, c'est quand je lis ça, c'est écrit à un moment donné qu'il y, y a des méchants à combattre. Puis euh, je joue ma première partie, puis bon, tout, tout va bien. Et là, à un moment donné, quand je fais ma vidéo filmée, il y a quelqu'un qui me dit il y, a, il y a des cartes de. Dans le jeu, il vient avec des cartes de chambres secrètes, des, des, chambres, des chambres spécifiques. Puis il y a quelqu'un qui me dit Ouais, mais les chambres vont avec les méchants. Moi, je pensais qu'il fallait les prendre aléatoirement. Moi, je pensais qu'on les brassait et on les mettait dans le jeu aléatoirement. Mais non, un méchant vient avec une chambre. Mais c'est pas écrit dans le livret. C'est écrit de nulle part. C'est juste montré avec une image. Mais dans l'image, il n'y a pas, y a pas, de, y a pas un, petit, un petit encadré qui dit euh, voici les cartes qui vont avec les méchants. Moi, je pensais que c'était juste de l'art. Genre, juste de mettre une image comme ça. Il y avait comme des cartes euh, qui, qui étaient présentées comme ça. C'est mal structuré, c'est mal fait et c'est ce qui n'a vraiment pas aidé à, à l'amour que j'ai de ce jeu-là. Euh, D'ailleurs, ils ont reconnu qu'ils ont fait des erreurs par rapport au jeu. Mais on m'a dit. Ils ont fait une saison 2, je pense. Mais ben, ils ont fait une saison 2, mais qui est complètement euh, c'est un autre jeu. C'est pas du tout la même chose. Euh, mais la, la première, ça, y a, y, les gens m'ont dit Ouais, mais ils ont fait des facs sur leur site internet. Comme tu as dit tantôt, je m'en sac des facs. je veux pas ça, je veux avoir un livret d'instruction qui est correct, qui est bien écrit. Puis, euh, puis en plus de ça, dans le livret d'instruction, il est écrit. Quand on joue à multijoueur, il peut avoir un mail de donjon. Il est écrit le mail de donjon peut tricher pour mettre du, du fun dans le jeu de société. Ah, ça, c'est le... la petite euh, vague euh, roleplay. Là. On fait tout ça quand on joue à DD. Mais sauf que quand dans un jeu de société, tu n'écris pas ça, le professeur ah, Board Game ne va jamais dire ça vous, si vous voulez mettre un petit peu de piquant, vous pouvez tricher. Voyons donc c'est ridicule. Ça, ça fit dans un jeu de rôle, dans un jeu de société, c'est peut-être moins approprié. Bon, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais c'est ça le but de mélanger les deux, mais ça marche pas. C'est un, un board game. que j'ai compris que la, le chapitre 2, le chapitre 3, c'est comme un mélange, puis ils vont s'en aller chapitre 3 comme étant juste un jeu de rôle. Euh, okay, okay. C'est comme ça que j'ai compris qu'il y il voulaient faire comme un genre de transition. Il euh, y a de, beaucoup de personnes qui aiment l'art de VL, mais le livret d'instruction, c'est un des pires que j'ai lu dans les dernières années. Euh, puis je vous dirais qu'il ressemble beaucoup à Unicornus Knight dans sa mauvaise structure, des erreurs. C'est ce qui fait que, euh, voilà, c'est pas une bonne façon d'écrire un livret. Tu sais, des fois, Martin, on dit euh, des fois trop, euh, c'est comme passé. Hein. Oui. Euh, mon prochain livret d'instruction que j'aime pas, euh, qui est, que je trouve qui est mauvais, c'est un livret d'instruction qui tient sur une page recto-verso. C'est-tu vrai? Oh, controverse de la zone. Comment qu'on peut manquer un livre d'instruction aussi court Comment, <laughs> comment on peut C'est le jeu Century, le deuxième de la trilogie, donc Merveille orientale. Oh. C'est un jeu que les règles, c'est une page recto-verso. Oui. Um, et quand tu lis cette page recto-verso-là, tu as au moins 3-4 questions que tu te demandes. Mais là, comme les règles tiennent sur une page recto-verso... Hein. Tu n'as pas ces précisions-là, tu n'as pas tes réponses à tes questions. Oublie ça. Parce que c'est tellement condensé pour que ça puisse rentrer sur une page. Puis, tu sais, les règles sont françaises et anglaises. Tu as une page recto-verso ouais. français et une page recto-verso anglaise. Mais on s'entend, quand on connaît les deux langues, si je suis capable de rentrer les règles recto-verso sur une page en anglais, ça ne rentrera pas en français. Non, c'est ça. Parce que souvent non. en français, ça prend plus de place, mm -hmm. ça prend plus de mots expliquer des choses que l'anglais. L'anglais souvent c'est plus contracté, oui. il y a des formes contractives justement qui n'existent pas en français. Euh, fait qu'il y a beaucoup de façons qui font que l'anglais prend moins de place que le français. Donc ils ont dû encore plus faire des choix de couper des, des mots dans des phrases, d'essayer de trouver des tournures différentes. Fait que ça fait encore une version un peu plus botchée, je trouve, en français. Puis euh, c'est un jeu pas compliqué, c'est assez simple comme jeu. Ouais. Mais en lisant, si j'ai deux, trois questions, puis que je n'ai pas les réponses à ces questions-là dans la page de règles, je fais quoi? C'est pas normal. Pourquoi tu pas fait les règles en trois pages en français? Parce que justement, ça prend plus de... <coughs> je nous, ils sont mis une contrainte de production de faire ça sur une page, au dépend de la qualité des règles, au dépend des détails, au dépend des explications. Puis pour moi, ça ne fait pas de sens. Ils ont quoi? Ils ont sauvé euh, deux sous par boîte en faisant une page de moins? Peut-être un petit peu plus que ça, mais euh, je comprends l'idée. Ils ont parti, sont partis avec une idée qu'ils ne voulaient pas que ça dépasse le nombre, ce nombre de pages-là. Puis ils se sont dit, de toute façon, c'est un jeu simple, donc les gens vont comprendre tout de suite, ah. mais c'est pas comme ça, souvent, des jeux de J'ai trouvé ça maladroit. Et voilà! Controverse. Allez! Puis ton... Ton pain est livré, Martin? C'est euh, Mage Knight. <laughs> J'ai euh, l'édition euh, Ultimate Edition. Euh, Il y a beaucoup de livres. J'ai euh, un patron euh, qui. Euh, qui euh, oh, vous savez que dans, sur, dans mon Patreon, à un certain montant, vous pouvez choisir un jeu euh, qui va être présenté dans, dans ma collection. Puis il y en a un qui a choisi Mage Knight. Euh, puis donc, il faut que je le fasse. Mais ça. vas vous un déballage J'ai ben fait un déballage. Mais il faut que je fasse une partie de ça. Puis ça, quand je vous dis au niveau des livrets d'instruction, euh, puis je ne suis pas tout seul là. Je suis allé voir sur Internet. Puis il y, y a beaucoup de monde qui pense que Mage Knight, c'est un, un excellent jeu. Mais tous les jeux de Vlada Chovatil ont un, une problématique c'est que les livrets d'instruction sont trop condensés. Euh, Puis le pire, c'est que tantôt j'ai ouvert ça. Je me dis, je me suis honnêtement dit par quoi je commence. Bon, ok, je comprends que euh, je commencerai pas par les, euh, les expansion Rulebook », mais juste les. Parce que, regardez, c'est parce que. Ah, c'est des gros paragraphes de texte, c'est du sexe, du sexe. C'est trois texte. colonnes. Puis, bien honnêtement, une chose que j'ai des lunettes avec des foyers progressifs, parce que je ne serais pas capable de les. C'est tellement écrit petit. Et ça, c'est juste pour les extensions. Et là, on s'entend que j'ai 28 pages pour les extensions. Après ça, j'ai le rulebook, puis j'ai le game walkthrough. Mais là, ce pas comme Fantasy Flight. C'est deux fois la même chose. C'est juste que ça, c'est fait comme si tu jouais une partie. Fait que là, tu as 20 pages. Là. Puis le jeu, il y a 24 pages. Puis quand on parle de 24 pages, on s'entend que c'est 55 pages pour un livret normal. Ce sont des jeux, c'est sûr que ce sont de, des jeux d'une grande complexité, mais euh, j'ai lu beaucoup là-dessus et il y en a beaucoup qui disent que ce livret d'instruction-là aurait pu être beaucoup plus concis. Euh, Puis c'est pas tant qu'il y a des. C'est pas tant. C'est pas fait sous forme d'exemple. Des fois, il y en a un petit peu, mais il n'y a pas tant d'exemples que ça. C'est fait sous forme de points. Genre, s'il se passe ça, voici ce qui va arriver. S'il se passe ça, voici ce qui va arriver. Fait que ça, mettons, je suis en train de jouer ma partie. Puis que je veux chercher une information. Ah, C'est Il n'y a pas d'index. Il n'y a pas d'index. Fait que comment, que, que, où je retrouve cette information-là dans cette encyclopédie pour un jeu de société? Fait que malheureusement, euh, moi, le, mon numéro un, ce sont les livrets qui font peur. Les livrets qui sont structurés. Encore une fois, on vient, je pense que tu l'as eu, le, le, le mot du jour. C'est la ouais. manière de structurer ton livret d'instruction. Qui fait que, je, je comprends, il n'y a peut-être pas eu le choix de faire ça comme ça. Mais à un moment donné, là, quand tu, de, tu te dis, OK, faut, ça, il faut que je lise ça. C'est extraordinaire comment pour moi, c'est euh, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Puis c'est ce qui fait que Mage Knight, je pas joué. si. Es tu as déjà joué à Mage Knight, toi? J'ai joué une ou deux fois, mais c'est LP qui me l'a montré. J'ai jamais lu les règles. Est-ce que tu as fait. Il n'y a pas de vidéo sur ta chaîne de Mage Knight, hein? Non, tu peux, tu peux faire une demande à LP si tu veux. Ouais, c'est juste qu'il va falloir que je la fasse bientôt, ma vidéo. Fait que, ah. fait que là, le pain, c'est que je l'ai officiellement sorti aujourd'hui parce qu'il faut que je me le tape. Puis, c'est pas que ça ne me tente pas de jouer au jeu. Le jeu, il est super cool, là, puis j'ai hâte d'y de, de, jouer, mais de passer à travers de ça. C'est ouais, trop. C'est trop gros. C'est trop massif. C'est trop cryptique. Bref, euh, je dirais que c'est mon numéro miroir. OK. Moi, c'est un, un jeu que j'ai joué dernièrement, que j'ai lu le livre de règles, que j'ai joué une première partie dernièrement. Et c'est incroyable comment c'était un mauvais livre de règles. Mm. Euh, c'est le jeu Aftermath. Ah oui, OK. Non, je n'ai pas joué à celui-là. Aftermath. Ouais, c'est Stéphane qui te présenter sur sa chaîne. Oui, oui, oui. Tu pourrais y en parler, là. Mais euh, Aftermath, c'est un Dungeon Crawl. Tu sais, sait, tout le monde le sait, là, les jeux de Dungeon Crawl, c'est des jeux qui ont beaucoup de règles. C'est souvent des petites règles pointues, par-ci, par-là. C'est des gros livrets d'instructions. Il euh, faut mettre beaucoup d'exemples parce que, justement, il y a beaucoup de choses à expliquer. Puis cet auteur-là, Jerry Hawthorne, il est connu pour avoir des livrets de règles qui sont trop longs, trop gros. C'est dur de trouver l'information dedans. Je sais qu'il a fait euh, euh, Mice and Mystic, il a fait oui. euh, Histoire de peluche aussi qui qu 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 était assez intense. Oui. Un euh, Comanode que j'ai pas joué non plus. Ah, toujours... ton... okay. Mais là, il a... dans Aftermath, il a fait le contraire de ce qu'il fait d'habitude. Il en a pas mis assez. Il a fait le livre le plus court qu'il peut pas... Qu pouvait pas faire. Le ah. livre a à peine une dizaine de pages. C'est un Dungeon crawl. OK. Campagne. Okay. Le livre a à, à peine une dizaine de pages, à à part, le, en incluant le setup là, qui prend une page, puis la présentation du matériel qui prend une page. Euh, il n'y a aucun exemple. Aucun exemple? Aucun exemple. Ok, ben, c'est ça, c'est fini. Hein. Un dungeon crawl avec aucun exemple, j'ai jamais vu ça. Mais comme un autre était autre comme ça, me semble. Le pays, c'est qu'il manque des règles dans le livret d'instruction. Il manque des règles? Mais voyons. Il manque, il manque des règles. Parce la première partie, là, on fait Ah, qu'est-ce qui arrive dans telle situation? Ah, ok, ouais. Regarde des règles. Ben, c'est pas écrit. Ok. On vient de finir la première mission. Après la première mission, tu as une phase de ville, dans le fond, tu upgrades ta colonie. Euh, fait que là, on fait comme Ok, on va ranger nos personnages. Chaque personnage a une petite boîte, puis en tout cas, tu mets tes affaires. Puis là, c'est comme. Ouais, mais nos personnages, ils se soignent-tu après une mission? On, On revient-tu plein de points de vie? Ben, c'est pas écrit. C'est pas ah. écrit si tu te soignes entre deux missions, si tu enlèves tes blessures, si tu reviens normal. Puis là, ben, là, j'étais tellement irrité qu'il manque plein de détails sur plein d'affaires que je suis allé voir sur le site de Planta Games et ils ont fait un fact. Il y a un fact de 4-5 pages. Mais ah. c'est juste des. C'est des règles supplémentaires. Ok. Ils se sont rendus compte qu'il y a 4-5 pages qu'ils n'ont pas mis dans le lit de règles. C'est quoi? Mais voyons donc, ils ont vraiment... OK, c'est quand même spécial, ça. J'ai trouvé ça capoté. Fait que, honnêtement, tu fais un Dungeon Crawl, assume que ça va être un livre de 20-30 pages. Je, vais vivre, je vis bien que ça, je suis habitué. Ce pas mon premier que je joue. Mais bordel, donne-moi un livre de règles complet. Donne-moi les lit de règles qui a toutes les règles dedans. Hey, il y a 4-5 pages qui sont dans leur fac qui sont vraiment des règles. c'est pas juste des c'est Ah oui, oui on n'a pas mis telle règle, telle règle, telle affaire, telle affaire, telle affaire <rire> dans le livret d'instruction. Mais tu sais, je te dirais que euh, quand j'ai fait ma petite recherche des meilleurs et des pires euh, livrets d'instruction sur Internet, <coughs> <coughs> ça va bien tout le monde, j'ai un chat dans la gorge. <laughs> Mais c'est le mystique est sorti souvent. Okay. Euh... C'est le même auteur. <coughs> Puis, honnêtement, là... Pour avoir joué un petit peu à MyS Mystics, mais surtout avoir joué euh, dernièrement à euh, Coman puis euh, l'autre d'avant. Pas hein, de peluche. de peluche. Les, les instructions de ces jeux-là ne sont jamais claires. C'est jamais clair. Puis je, je vais juste regarder la page qui est là. là. Euh, souvent, les, les, la façon de, ben Là, Ça, ça a l'air des, des cartes. Là. mais euh, la façon de fonctionner avec le livre aussi, c'est jamais clair la manière qu'on se déplace. Euh, ce n'est pas les meilleurs livrets, ce n'est pas ceux qui ont été les mieux. Fait. Puis si en plus tu me dis qu'il a oublié de mettre des règles, ça c'est encore pire, on s'entend. Non, ça fait pas de sens. Là. OK. Une compagnie d'expérience pour leur premier Dungeon Crawl. Je ne peux pas croire qu'ils ne s'améliorent pas d'un à l'autre, qu'ils se sont empirés avec celui-là, c'est mm -hmm. leur dernier sorti. Écoute, c'est euh... mais, mais, mais je pense que cette série de, de jeux-là ont toutes à peu près la même problématique. Ils ont se ont... 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 délivré. Moi, je me souviens de comme un autre, comme un autre, c'était. Très mal écrit. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas aussi. Puis, euh, tu, là, tu me parles de celui-là, euh, qui est le, le dernier, je pense. Oui, c'est son dernier. Ça, c'est le dernier. Fait que ça n'a pas l'air d'aller en s'améliorant. Ça va même en s'empirant parce qu'il ne met pas toutes les règles. Fait que... ah non, ça n'a pas de sens. Ben voilà. Fait, euh, fait, oubliez pas que ce sont nos, euh, nos propres. Comme je sais qu'il y en a qui, peut-être, Mage Knight, ils vont dire que c'est un chef-d'œuvre euh, d'écriture de livres ouais, d'instruction. Il lit ça avant d'aller se coucher. Là. Ça, ça, ça se peut, mais moi, je, je, je vous dis, là, lisez ça, attendez un mois, puis vous allez probablement euh, pas euh, euh, vous souvenir des règles. C'est ça mon problème avec M Mage Knight. C'est nos, nos euh, opinions. Donc Dans les commentaires, allez-y donc avec vos meilleures et vos pires lectures euh, de livrets, donc d'instructions, et euh, dites-nous qu'est-ce que pour vous ça prend. Peut-être pour être considéré comme étant un bon ou un mauvais livret. Euh, puis, euh, ça sera très, très intéressant euh, de vous lire. Euh, on vous souhaite un. C'est un... quoi les critères que vous aimez mieux aussi dans le... bon, tout à un fait. bon livret d'instruction? On vous souhaite un joyeux Halloween parce qu'aujourd'hui, euh, le moment que ça sort, c'est l'Halloween. Donc, euh, j'espère que vous allez vous déguiser chez vous et que vous allez rester bien dans l'intérieur. Euh, nous, mes enfants, on ne passe pas l'Halloween cette année, même si on a le droit. Achète-leur des bonbons, ça va en faire pareil. Oui, ben c'est ce qu'on va faire. Et on, va, on va écouter un bon film d'horreur, on va écouter Captain Marvel. Puis euh... mais non, mais tu sais, il y a un chat là-dedans. Puis fait que c'est ça. Ouais. Je te remercie beaucoup, David. On va, on va arrêter ça là pour, pour aujourd'hui. On a à peu près dépassé un petit peu notre 30 minutes habituelles. Oui, un classique. Là. Un classique. Fait que je te souhaite un magnifique mois de novembre. On va se voir juste avant le début du temps des fêtes. On va savoir qu'est-ce qui se passe pour nous autres pour le, le, le confinement ici au Québec quand on va se parler à la fin du mois. Ouais, à suivre. À suivre. Fait qu'abonnez-vous. On ne lâche pas. On lâche pas. Puis en attendant, ben, on vous invite à vous abonner à nos deux chaînes. Puis parlez-en à vos amis. Professeur Game, il fait les meilleures vidéos de présentation de règles une fois que vous avez regardé la vidéo de présentation de règles, vous venez sur ma chaîne pour garder une partie. Fait que vous avez le ah, meilleur concept, des concept, On devrait fusionner nos chaînes. Quasiment. On devrait faire juste des blitz ludiques. À chaque on temps de se faire acheter par quelqu'un de gros, de big. De big, Don. <laughs> Mais le Don n'a pas le temps d'écouter le vide-cast. Fait qu'il ne saura pas de quoi on parle. Fait que c'est pas bien. Oh. Meilleur. Fait qu'abonnez-vous à nos deux chaînes, Professeur de Board Game et Zone Jeux de Société. Euh, probablement vous êtes déjà abonnés si vous écoutez ça, mais bon, en tout cas, bref, parlez-en à vos amis. Allez voir nos Facebook ainsi que nos Instagram. Euh, allez faire également un petit tour chez nos commanditaires respectifs. C'est David, c'est quoi là, ton commanditaire? Moi, c'est la boutique de Dysoul.com. Euh, bon de mon côté, ben, vous savez, c'est Le Valet de coeur au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur nos campagnes Patreon, parce que grâce au Patreon de David, vous avez accès à un Discord. Oh, hein? on est cool comme ça, nous autres. Moi, moi non. Euh, non, moi, je suis pas... T'es pas rendu là? Non. non, je suis vieux, moi, encore, dans ces affaires-là. Mais vous avez de très belles choses des deux bords. Le best, c'est d'aller participer aux deux Patreons. Comme ça, vous aidez deux extraordinaires chaînes euh, qui vont continuer à vous faire des contenus pendant très longtemps. Voilà. Jusqu'à temps qu'il fusionne, pour qu'il soit Jusqu'à temps qu'il fusionne. Jusqu'à temps qu'on soit un million de, de, de... En tout cas. Euh, puis d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. Ah, oh, puis avant, attends. Attends, avant. Euh, si vous voulez avoir des chandelles figés de la zone de jeux de société oh. ou du professeur Board Game, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo. Vous allez, vous allez cliquer sur le lien. C'est là que David a acheté, d'ailleurs, son chandail. Je suis cheap, je ai pas donné. <laughs> C'est pas grave, je t'aime pas. Moi, j'ai reçu un Audi. Mais c'était... Je pas, peut-être que pour, euh, pour euh, la prochaine fête du professeur Borgain, j'enverrai un hoodie de la Zone Jeux de Société. Oh, en, ben, janvier, je, en, en janvier. En janvier. Fait que, allez voir dans la description, il y a un lien, vous pouvez les cliquer puis vous pouvez acheter des chandails de nos deux chaînes. C'est des beaux cadeaux de Noël, ça. C'est pas confortable. Le hoodie, là, il est pour vrai, je le porte tout le temps, mon hoodie, il n'est pas trop loin. Moi, je porte Et... tout le temps ton hoodie aussi. Ces temps-ci, euh, c'est ça, avec ça, je vais à l'école. Ça, sauf que ma, ma fille a dit j'ai l'air d'un voleur. Mais bon, ça, c'est <laughs> une autre histoire. Fait que, ben voilà, puis uh, d'ici la prochaine fois, ben, amusez-vous avec vos jeux de société, on va se revoir très bientôt. Bye tout le monde, continuez de gamer. Bye, bon, bon mois de novembre, la neige. Il y a neige avant-hier, chez vous. Bye, la neige fondante